Bonjour, et voilà, j'ai récupéré ma co, donc on va pouvoir se faire un petit stream tranquillou. Donc ce sera pas le stream du samedi, ce sera le stream du dimanche. Allez, on a la scène, on va se connecter. Je vais mettre la musique. Ah oui, alors j'étais à la réparation de mes outils, du coup. Parce qu'hier on a fait quelques petites choses. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait hier, parce que du coup on a bossé, on était là. On a fait quelques petits trucs. Alors, la musique. Voilà. On met tout ça en place tranquillou. Salut Lord Maxkai, comment vas-tu? Petite musique sympathique. Alors j'essayais en fait, là je suis à 29 là, j'essayais de me faire des... J'ai le replay mode qui marche. De me faire une pioche touchée de soie. Alors bon, là c'est galère. Hein. Parce que j'ai une pioche donc efficacité 5 pour le travail standard. J'ai une pioche en efficacité 4 mais fortune 3 pour taper les diamants quand j'en trouve. Et là j'ai réussi avec un enchantement. Donc il a fallu que je gâche des bouquins, mais avec un enchantement, j'ai une efficacité 4, solidité 3. Donc ce qui serait impeccable, c'est que je lui mette toucher de soie. Je vais encore faire un essai, et puis on va démarrer à la rivière d'or. Allez, eux, ils sont costauds. On leur met un bon coup. Oh, 30. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Frappe de protection, hein, tranchant. Hein. Allez, on va pas gâcher 3 lapis-lazuli. Hein, Allez, on met ça là. Je remets les bouquins. Je remets ça. Et puis, on va aller bosser. Je vais aller jeter cet arc. Hop. Alors j'ai tout plein de points journée map. Oh, il fait nuit. Eh bien, on va faire dodo. Salut Edgy, comment vas-tu? Donc désolé pour hier, hein, mais il faisait ouais, pas très beau, donc je pense que tout le monde était sur sa 4G. Ah elle, j'aurais pu le... Je vais la planquer parce que j'en ai pas besoin. Je vais tâcher de... me trouver à un autre moment un bouquin à toucher de soi. Donc aujourd'hui il faisait beaucoup plus beau dans mon coin, il y avait du soleil et tout, une température 13 degrés. Alors qu'hier on était en négatif. Hein. Donc là il doit y avoir beaucoup moins de gens sur la 4G. Ça le fait. Alors voilà notre cité interdite. Je vais peut-être enlever tous les... Je les remettrai après parce que ça pique un petit peu les yeux. Voilà. Donc on va rentrer par la porte de l'ouest qui est pas faite, j'allais dire en construction, mais non, qui est pas faite. Hein. Et puis on va se refaire peut-être un petit point ouais, de tout ce qui a été fait. Donc là, avant ici, il y avait une jungle. Alors lors du dernier live, on l'a brûlé.
Et puis, donc pas en live, on a commencé à la raser. C'est quoi ce truc là? Donc on a bien commencé à la raser, à la terrasser. On s'est installé le beacon là-bas. Donc on a tellement bien tapé dedans, là c'est nos coffres, hein, classiques. 9 doubles coffres de terre, 6 doubles coffres de pierre. Pas mal. Et on a commencé à se dessiner un petit peu. Donc c'était ce que je voulais faire un peu hier en live, mais du coup on s'est un petit peu avancé. Je vais me mettre en plein milieu et on va regarder avec journée map. Hop! Donc on a la porte du midi qui est en dessous. Et au-dessus, on a la fameuse cour de la rivière aux eaux d'or. Alors l'or, hein, c'est la couleur préférée de Yongle, l'empereur qui a créé, qui a fait construire cette cité. Et qui... Donc il y avait beaucoup d'or partout. Donc les toits étaient tous en tuiles émaillées, dorées. Et cette rivière, qui est une rivière artificielle, bon, elle était qualifiée de... Les eaux étaient dites dorées. Alors, on sait pas trop pourquoi, en fait, hein, mais bon, c'est comme ça. En fait, c'est de l'eau normale, hein. Alors, c'est juste une rivière artificielle qui est alimentée par, par la Douve. Alors, on avait fait ça lors d'un premier live, hein, par là. Donc là, par là, c'est rasé aussi. Donc, j'ai un méga gros timelapse en préparation. Là, on arrive à l'autre coin, au coin sud-est de la cité interdite. On a la même tour qu'au coin sud-ouest là-bas. Et donc quelque part, ouais, on doit avoir. Oh là, faut que je mange. Voilà. Et là, on a le donc notre rivière qui communique. Ça fait super avec les petits effets. Avec la Douve. Voilà, on est dans la Douve. Ah, par contre, il faudra que je rebouche. Ouais, faudra que je rebouche un peu ce trou là qui est qui fait pas vraiment naturel. Allez, on repasse. Ah, donc là, il faudra mettre des grilles, hein, pour empêcher les. Mec, ici, on avait calculé, on a près de 20 mètres à faire en apnée. Donc 20 mètres en armure. Ouais. Faut être costaud. Donc on mettra quand même des grilles pour être sûr qu'il n'y ait personne qui puisse pénétrer, puisque la cité impériale était dite, c'était interdite. Elle était interdite complètement au public. Donc là, on va avoir... Alors cette rivière, hein, c'est donc le principe du Feng Shui. Elle circule ici... Tiens, je vais aller voir, mais... Donc ici, on avait un village PNJ avant. Toujours là, le bibliothécaire. Faudrait qu'on l'alimente pour... Personne est venu le nourrir. Faudrait qu'on lui ramène du papier pour voir ce qu'il débloque en deuxième. Parce qu'en premier, c'est... châtiment 3. Bon. Moi, j'ai déjà châtiment 4. Ah oui, puis je voulais lui mettre... ah, des carottes. Hop. On va prendre les carottes. Les carottes, c'est bon, ça donne des bons, une bonne vue. Et à la place du blé, je vais mettre... Ah, bah, j'ai récupéré que 4 carottes. C'est pas vrai que... Mais hey, vous êtes pénible. Sinon j'ai quoi? Bon, un rien. Oups, pardon. Un fermier. Un berger. Est-ce que j'ai... Ouais, j'en ai que 4. Ah, je pourrais peut-être... si j'arrive à en récupérer 20. Juste une carotte. Ah, ce qu'il y a, c'est que je les récupère pas, ils les piquent. C'est pour ça que je récupère peu. Salut, Lynn.
Et salut Dark Vador. Ouais, ça rend les fondements roses. Ça rend aimable aussi, ouais, il paraît. Hop. Impeccable, comme ça, ils ne l'ont pas piqué. Ouais, parce que si je la tape là, en fait, il... Ah non, là, je l'ai récupéré. Qu'est-ce qu'ils ont été plantés? Du blé, hop. 8 en anglais, c'est blé, hein. Bon, du coup, j'ai plein de graines, mais j'ai pas assez de blé pour commercer, hein. Un fléchier, un boucher. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Il va falloir planter du papyrus pour pouvoir le faire évoluer, voir ce qu'il donne lui. Allez, hop. Donc on a encore ça à faire sauter. Après, papa, il est. Elle est où notre rivière? Elle passe ici. Hop. Donc là, elle est un petit peu grande. Donc là, il va falloir continuer de la creuser, hein. On passe par ici. Là, il va falloir terrasser. Ici aussi. Hop. Là, c'est une vraie rivière Minecraft, mais nous, on passe ici. Alors, c'est décalqué sur les plans de la Cité Interdite, hein, bien sûr. Le seul petit truc, c'est qu'on n'a pas respecté l'échelle 1, parce que la Cité Interdite est vraiment immense, et on a fait de l'échelle 3 quarts. Ouais, je suis tout seul. On était à plusieurs hier. Mais hier, c'est Mako qui n'a pas vraiment suivi. Donc là, hop, on passe ici. Donc là, on va commencer à plus creuser. Mais peut-être qu'ils vont arriver tout à l'heure, hein. Là, il est l'heure de goûter. Bon, moi, j'ai mangé très tard, alors du coup, je vais décaler mon goûter. Et là, hop, on a un virage presque à 45 degrés. Et on va, là on arrive en fait, voilà, il va y avoir ici un espèce de petit pont, alors j'ai rien pris hein, pour le touriste complet. Et ici on va arriver dans la fameuse cour, la première cour, il y a toute une série de cours hein, qui montent pop, vers le nord. Bon, là actuellement c'est encore des marais. Et dans la première cour, donc il y a cette rivière avec 5 ponts qui vont passer au-dessus. Alors cette rivière elle passe là. Et les 5 ponts en fait vont être en face, alors au moins des 3 portes centrales, parce que les petites portes là, les 5 ponts vont être ici. Et le pont du milieu va être en face de la porte réservée à l'empereur, qui est là. Et le pont, comme la porte est réservée uniquement à l'usage de l'empereur. Voilà, coucoule. C'est cool. Donc, eh bien, on va continuer ça. On va continuer ça aujourd'hui. Oh, il va faire nuit. Ah ouais, si j'ai mon lit. Ouf. Donc la cour elle est fermée. Là, on a l'escalier qui se termine là. Donc là, on va avoir tout un ensemble de bâtiments. Posé sur une espèce de petit mur, un petit socle surélevé. Donc ici, on va avoir alors des bâtiments ou des portes qui vont permettre d'accéder au reste de la Cité Interdite. Donc par exemple ici on a la porte de l'harmonie glorieuse. Alors qu'en face, de l'autre côté, on aura la porte de l'harmonie mutuelle. Alors ils ont des noms. C'est des noms chinois. Et tout au nord, alors le nord, le nord, le nord, il est là, en plein milieu, on aura la porte de la suprême harmonie. Hop.
qui nous permettra d'accéder. Alors là, il va falloir remblayer, hein, parce que derrière, pour l'instant, il n'y a rien de fait. À la cour de la suprême harmonie, qui porte le même nom que la porte, en fait. Mais ça sera une autre histoire. Alors, je vais récupérer de la roche. Non, c'est pas de la roche, c'est de la pierre. Hein. On va changer de nom. Hein. Majuscule. Alors, pierre. Roche. Il y a tout sauf de la roche. Là. Il va falloir en cramer. Hein. Oh, le mélange. Elle est furieux. Bon, on va prendre de la cobble bleue aussi. Et puis, je dois avoir un coffre d'hiver ici pour jeter ça. Ah, j'en ai 18 de blé, je vais pouvoir aller acheter une émeraude. Il faudrait surtout que je plante du papyrus. Ou de la canne à sucre. Je sais jamais comment ça s'appelle. Bloc d'herbe. Non mais, c'est de l'andésite là. Ah, c'est bien de mettre des panneaux, mais bon, faudrait voir à respecter les gars. Hein. Alors... Notre rivière ici, elle a 7 mètres de large. On va la faire à 7 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et les bords, on va les faire avec de la pierre taillée. Donc on va s'occuper... Oh oh. Ah, c'est quand on s'est habitué à l'efficacité 5 avec le beacon, ça fait tout drôle de revenir sans beacon. Hein. Parce que tout le terrassement là-bas, on l'a fait avec le beacon qui est là et principalement au départ avec des outils efficacité 5. Et en début, on dit mais bon, quand on y a goûté, on peut plus s'en passer. Alors. Je vais... Ouais, jusque là... Poc. Après, il faudrait que ça soit plus ou moins symétrique. Hein. Ouais, ça dépote l'efficacité 5 plus beacon. Ouais. Voilà. Alors ensuite, on creuse, on va creuser... ça va pas le faire. On va creuser de 4. Donc, non, de 3. Alors, on va creuser. Enfin, on va creuser de 4 parce que le fond, on va mettre un fond en... Un fond en terre, quoi. Pour que ça fasse... la rivière qui s'est envasée, quoi. Surtout que comme il n'y a pas de... Comme c'est une rivière artificielle, il n'y a pas de courant. Ça devait pas être tip top. Hein. Allez, on remet du... Hop, n'appuie. Ouais, faudrait déplacer le beacon, mais j'ai pas le courage. Est-ce qu'on en a encore... Ouais, on en a encore besoin un petit peu là-bas, mais... Oh, allez. Ah, c'est trop habitué au luxe, hein, alors... Au début où j'ai commencé à jouer, j'étais en pioche de fer, moi. Alors déjà, du diamant efficacité 5. Oula. Alors, on va se finir ici. Sans bourgeoise, tout à fait. On prend des goûts de luxe. Et puis après, quand on y a pris goût, on n'arrive plus à s'en passer. Bon, ça, je peux le démonter. C'était mes points de repère, hein, pour...
pour la rivière. Maintenant, on sait où elle passe. Il n'y a plus de soucis. Mais c'est vrai que là, du coup, l'efficacité 5, ça paraît long. J'ose pas imaginer, il faudrait que je reprenne une pioche en... Comment ça s'appelle, en... En pierre, quoi. C'est... Ah non, il y a encore pire, il y a la pioche en bois, mais bon... je sais pas s'il y en a beaucoup, à part le quand elle arrive pour les premières minutes dans un monde, s'il y en a beaucoup qui continuent ensuite à travailler avec la pioche en bois. Mais au moins la pioche en roche, pour voir la différence de vitesse. Il n'y a que les pelles en efficacité 5 qui continuent de dépoter malgré le beacon. Il n'y a pas une grosse différence entre beacon et pas beacon, balise et pas balise. Est-ce que j'ai été trop loin là? Ouais, je pense que j'ai été trop loin. Bon bah... On va continuer de se creuser ça. Hop, hop. Allez, hop. Salut Lady. Et après, on va se faire les ponts. Alors, on va commencer par le pont de l'Empereur. Ah, ils sont en fait tous pareils. Enfin, celui de l'Empereur est plus large. Il est tout seul à le prendre. Mais du coup, il en a le droit à un plus large. C'est normal, c'est l'Empereur. Et alors, je creuse encore de... Je vais peut-être aller chercher le beacon. Parce que je suis déjà fatigué. Allez, je vais chercher le beacon. Je vais pas le prendre avec sa version vitesse, parce qu'en fait c'est un double. On a mis Célérité 2, donc Hast en anglais, pour ceux qui suivent des séries en anglais, et puis on a mis donc vitesse, je pense que ça va être speed. Voilà, hop. Mais en fait, à part pour casser du... Donc je vais en prendre je vais en prendre qu'un. Bon, je vais casser les deux, hein. Ah, j'ai... Zut. Pas glop. Alors, ici, c'est la terre, j'en ai pas. Ici. Hop. Et... Toc, toc. Le land et la granite, c'est là. Et... Les rochers, les graviers, ouais, c'est là. Ah ouais, alors faut que je... Hier... Donc on était avec Skyride Dame Dodo. Et on travaillait ici à poser un peu les marques des différents bâtiments et de leurs plateformes. Et on n'arrêtait pas d'entendre des zombies. Donc... on a fait un petit trou pour voir et on est tombé sur une mine abandonnée, un mineshaft de folie, et j'ai ramené 5 stacks presque 5 stacks de fer d'ailleurs. Je vais le cramer parce que le fer, comme on casse des enclumes comme c'est pas possible. Alors le... Où il est le bâtiment A. Enfin le bâtiment A. La porte de l'harmonie glorieuse. La sortie elle est là. Donc c'est ici. Un petit peu plus au sud. Ah oui, l'empereur de la joie éternelle. Je crois que c'est Yangle, c'est ce que ça veut dire. Tout à fait, Lady. Alors, où elle est la sortie? Ah, elle est là. Parce qu'on s'est perdu, en fait. On n'a pas retrouvé la sortie, donc on a creusé un escalier en colimaçon pour ressortir. Et voilà. Alors du coup, comme on est dans la cité interdite et que c'est tout du chêne, ça fait une mine...
une mine tout en or. Et bah faudrait que je vous mette. Voilà, c'est. C'est immense. Et je pense qu'il doit. Il y a une faille en plein milieu qui la traverse. Et ça doit pas être. On doit pas avoir être passé de partout. Parce que comme on voit des points rouges, on voit encore ça spawn. Donc oh bah. Y'a qu'à demander. Par contre là, pour aller le récupérer. Voilà. J'en ai encore laissé. Donc il doit, y en a. Bah ouais, y en a vraiment partout. Je sais pas ce que c'est que cette génération. Oula. Eh ben on voit la faille en dessous là. Ouais bon bah je vais pas aller les prendre ceux-là. Hein. Hop, voilà. Donc on remonte. Puis on viendra refaire. Alors on discutait entre nous pour se dire tiens est-ce qu'on garde ça? Donc on a un petit peu calculé la sortie de cet escalier. Oula, il fait nuit. Dans le bâtiment A. Un petit peu exprès pour se dire tiens est-ce qu'on pourrait pas en faire un accès au souterrain. À faire une cité interdite souterraine. Alors on n'a aucune info à savoir s'il y avait des souterrains dans cette cité. On a vraiment pas beaucoup d'infos sur internet sur la cité interdite et comment elle est. Probablement qu'il n'y en avait pas. Hein. Alors, oups. Alors tous ces pavillons, ils vont être sur un beau petit socle qui va être à 3 ou 4 mètres de haut, hein, selon les pavillons. Ah ouais, donc j'avais pas fait la suite. Donc après, la rivière repasse par ici, elle tournicote par-ci, par-là, et elle passe à travers là où il y avait la jungle. On voit là-bas après la tour d'angle sud-ouest. Mais là, on va repartir voilà, au démontage de notre beacon. Alors, et puis du fer, c'est dur à casser. Alors normalement, j'ai pas tout à casser parce que celui-là était un cran trop grand, quoi. Mais bon, on va pas en laisser des bouts. Hein. Est-ce que j'ai récupéré ouais, les deux beacons? Quand même énorme un beacon à 4 étages. Hein. Oh là là là. Va falloir que je récupère un lingot aussi. Si ça tombe avec rien que la base blanche, j'en ai assez. Chercher s'il manque. Hop, on va se prendre un lingot. Il est là. Hop. Et puis on va aller l'installer. Ben on va aller l'installer là-bas. En plein milieu. C'est pareil, dès qu'on n'a plus la vitesse, on est tout penaud. Hein. Bon voilà, on va l'installer là. Donc c'est du garder l'or pour la fin. C'est du 9 sur 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le milieu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et c'est dommage qu'on passe, on puisse pas tricher et les faire creux. C'est pas grave. Salut Michel. J'espère que ça va bien.
Alors, pop. Alors, deuxième rang. Alors après, bah ça on va le mettre au milieu. Après, je suis en doré. J'ai tombé, chef. Hop. Et voilà, bah il en manque. La vitesse. Ouais, petit live du dimanche, mais en remplacement de celui d'hier où j'avais pas de la co suffisante pour streamer. Pas glope, pas glope. Bon, je vais le démonter complètement parce qu'après on va en perdre des bouts. Vaut mieux le garder, je pense, intact. Tout à l'heure, je vous parlais du temps, on avait un super beau temps, mais ça c'est. Là maintenant, c'est tout gris, il n'y a plus de ciel bleu. On pourrait se dire maintenant, c'est la pluie qui va arriver. Allez, hop. Ouais, je suis tout seul pour l'instant. Ah, le dimanche, c'est moins évident, hein, de. Donc hier, j'étais avec Skyride Dame Dodo. On a travaillé un petit peu ici, on a fait les plans de la cour, et on a été découvrir un. Comme j'ai montré tout à l'heure, une mine abandonnée. Hop! Alors, le. La balise. Hop! Pourquoi il m'affiche rien? Est-ce qu'elle serait pas complète? Ouais, on a bien avancé. Surtout le rasage là. J'ai quand même pas laissé de trou à l'intérieur. D'habitude, il affiche. Ah ouais, ok. Donc je veux célérité. Et ah bah non, il me la donne pas. J'ai l'impression que bah si, il affiche ça, mais il dit il met que régène. Oh là 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 là. Ouais, j'ai bien tout rempli. Ouais, alors. Donc parce que quand je clique dessus, il s'actionne pas, comme s'il manquait quelque chose. Faut quand même pas que je mette un bloc là au-dessus, non, d'habitude, là il y avait bien que 4 étages. 1, 2, 3, 4. Ah ok. Bon. Je comprends pas tout, hein. Et voilà, j'ai la célérité. Alors là, attention. Est-ce que ça marche? Oui. Le truc que maintenant on peut plus s'en passer. Oh là, il y a du gravillon. Ah bah le gravillon, je vais peut-être le garder pour le mettre au fond. Ah juste je tape trop loin du coup. Il y a du zonzon dans le coin. Ah, je vais.
Ah ouais, il y a du zonzon dans le coin. Oh, ça serait pas mal de le. Il doit y avoir une grotte en dessous, hein. Ce serait pas mal d'essayer de la trouver. Oh, encore du. Alors, où es-tu, petit zonzon? De quel côté je l'entends? Alors, on va mettre de la torche. Bon, on va tricher hein, parce que pas y passer des heures. Il est un peu plus sud-ouest. Je vais mettre là. Donc il est un peu plus par là. Ah ben voilà. C'est là. Ok. Ouais, je le vois. Il est juste là sous les. Tiens. Voilà, il est mort. Alors par là, c'est pareil. C'est un cul-de-sac. Impeccable. Essayez de pas mourir. Oh, encore du minerai de fer. On a une map à. Une map à minerai de fer. À champignons aussi. Oh, j'ai plus de torches. C'est bien moi ça. Je vais explorer une torche, une grotte. Où elles sont? Elles sont là. Encore le réseau. Ah, bah je devais être là-bas tout à l'heure. Le réseau immense quoi. Oh oh. Une sale bête verte. Petit bras. T'es mort? Ah non, il est pas mort. Ah bah ça y est, il est mort. Bon, je vais peut-être pas aller par là. Je suis à quel niveau? 46, ouais. Ah ouais, 3,5. Merci Lynn. Bon, du coup, on va faire ses emplettes, hein. C'est du profond ça. Ouh là là là. Voilà ce que je disais un peu tout à l'heure hier dans la mine abandonnée, c'était ça tout le temps. Donc je suis arrivé par ici. Donc là on va dire que c'est bon. Ah, il fait nuit. On va dormir. On va se poser un lit ici. Un lit, j'ai dit. C'est pas gagné, hein. Hop. Ah, j'espère qu'en me levant, je vais pas me retrouver dans le bloc et mourir. Non, ça va. M'a l'air d'y avoir du monde là-haut. On va sortir l'épée. Ouais. Bon, c'est bon. Ok. Voilà, une bonne chose de faite. Rien de plus pénible quand tu te balades en hauteur et que t'entends
des onzons que t'as généré par en dessous, quoi. Allez. Alors, on perce sur les côtés pour mettre de la pierre taillée, ça fait plus joli. Ok. Ah, alors ça, c'est à enlever parce que sinon... Il pue. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Ah, là j'ai fait des trous derrière. On va les boucher parce que sinon... Je sais pas si les bébés zombies ou... Ils peuvent spawner dans des... Dans des blocs de 1 comme ça. Ouais, je l'ai encore perdu. Mais c'est pas drôle. Hein. En fait, je l'ai perdu... Le soir où on a brûlé la jungle, on a dormi, je l'ai pas récupéré et je pense que bah, il a brûlé avec la jungle, quoi. J'étais tout triste parce que je l'aimais bien, mon petit lit doré. Bon, il faut que je retrouve de la laine blanche et puis du colorant jaune, c'est pas un problème. Et alors c'est devenu une épidémie parce que l'autre coup, c'est Madame Dodo qui a perdu son lit. Bon, là on va se ménager un petit escalier parce que sinon pour ressortir, ça va être ma coton. Donc j'ai dit 4. On perce à 4. Ouais, encore du minerai de fer. Pareil ici. On va se faire un petit escalier. Allez, on se fait toute une largeur. Là il va y avoir de l'eau. Oh, je vais pas mettre de pierre taillée en dessous. Ouais, ça devient une épidémie. Tout le monde perd son lit. Mais bon, tout le monde se moquait un peu de moi. Maintenant, il se moque un petit peu moins de moi, quoi. Hop. Donc là, on a la bonne profondeur. Ah, ça, je vais le récupérer quand même. Oh, en plus, il y en a plein. Allez, ça, on le rebouche. Et donc, 1, 2, 3, 4, et on veut mettre de la terre au fond. Encore en enlever une couche. Un mètre de vase, ouais, ça le fait. Pour une fois, les proportions Minecraft et la réalité, ça va, quoi. Alors, le problème de tomber dans un mètre de vase, c'est que on ressort pas, quoi. Ouch, pardon. Est-ce que j'aurai mon inventaire plein? Oh, les champignons. Alors, des briquets, il nous en reste un petit stock. Parce qu'en fait, on en a du coup crafté masse, mais on les a pas tous utilisés. Ouais. Et bon, il reste des. Alors, je sais pas s'il reste des jongles. Alors, par contre, je vais pas laisser en bord des. Ah,
Ah bah si, j'aurais pu là, c'est de la terre qu'il me fallait. Est-ce que j'en ai de la terre? Non, j'en ai pas. Donc je vais aller en chercher. Oui, il manque de sommeil, ouais. Mais nous, on dort très souvent sur ce serveur. Ah bah je vais aller là. Il doit y avoir de la terre là. On a des petits tas un petit peu partout du coup. Qu'on a prévu de déplacer après, hein, mais... Ah bah oui, c'est le fameux tas où c'est rangé... Ouais, à la mort... Ouais. Là. Alors, est-ce qu'il y a des... c'est vraiment du... L'andésite, je vais l'acheter. En hit, il y a ici. Mais ça doit être tout plein. Ah non, bah c'est même pas plein. Bah c'est pas plein, c'est dans les autres. Alors, les graviers. Le gravier, ça doit être là. Quoique, gravier, je vais peut-être faire moite-moite. Gravier 59 silex, ça c'est bien. Je vais faire moite-moite gravier et terre. Donc, en hit. Ah ben. Le granit, c'est plein. Et puis l'autre c'est de la roche, je la garde. Non, ça c'est encore de l'andésite. Ça c'est de la roche, ça c'est du gravier. Il me faut de la terre. Ouais, donc là on clique sur, on croit que c'est de la terre et en fait c'est des pierres. En fait de la terre il n'y en a pas tant que ça ici. Hein. Ouais, il n'y en a plus. Ok. Bon, il y en a 9 doubles coffres là-bas. Hein. Ouais, logique. Parce que l'empereur, il devait être un petit peu grassouillé. Alors, je vais laisser des trous pour mettre de temps en temps du gravier. Faire quelque chose d'un petit peu aléatoire. Ah, j'ai pas fait cette ligne là. Hop, du gravier. Non, ça n'a pas marché. Tiens, j'ai récupéré le champignon. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du champignon? Des soupes? Peut-être des popos. Dame Dodo serait là, elle me le dirait parce qu'elle est assez costaud en potions. Après, il faudra rajouter des nénuphars. Hein. Ça? Ah non, j'ai toujours l'inventaire plein. Bon. Alors, on va ressortir de là. Que les soupes, ouais bon. C'est pas en plus très très nourrissant ça. Ah, j'aurais dû me mettre là-bas. S'il faudrait que je prenne l'axe du milieu. Alors l'axe du milieu il est là. Pop, pop. Je vais même carrément noter. C'est 52-48. Je vais le noter parce que. C'est pas le perdre. Donc là je suis au milieu. Je mets un tas de gravier. Alors le pont central. Alors, il va faire 5 de large en fait. 1, 2, 3. Donc là on va avoir une pile. Ah ben j'étais peut-être un peu prompt. 1, 2, 3, 4. Donc 5 de large. Donc 7 avec les parapets.
jusqu'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il va faire nuit. Hop, on va pas se faire attaquer par la bestiole. Hein. Ou pour la déco dans les pots. Ah ouais, tiens. Oui, oui, j'y pense pas assez souvent, ça. Ouais. Bon, après, c'est les champignons style Amanitu mouche. Hein. Rouge avec des points blancs. Allez, on va récupérer son lit. Parce que c'est pas bien de perdre son lit. Ensuite, il va nous falloir des escaliers. Donc, qui dit escalier dit établi. Et on le pose dans la rivière. Combien on va en faire? Un certain nombre. Voir un nombre certain. Et donc l'eau, elle est à ce niveau-là. Donc les ponts, ils sont assez. C'est pas fait pour naviguer dessus. Hein. Donc après, on va faire un peu dans le classique, comme ça. Et puis un. Ah ben là, du coup, il va falloir une petite dalette. Voilà. Ouais, ça va le faire. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Pop. Pop. Et puis ouais, on va faire là les limites, on double celui-là et ici on met une dalle. Mais bon, de toute façon on le verra pas hein, parce que comme il est bas sur l'eau voilà. Ça, ça va être le pont de l'empereur. Donc, comme tous les ponts, il est un petit peu, le passage est un petit peu bombé. C'est-à-dire, on va monter et hop, on redescend de l'autre côté. Je vais piquer mon. Je vais récupérer mon établi. Déjà pour pas le laisser traîner dans l'eau. Hop. Faudrait que je me fasse un deuxième seau pour le remplissage. Et puis je vais le mettre. Ah bah je vais l'utiliser comme marque. Comme marque de milieu. Ouais, ok. Ça va mieux marcher comme ça. Donc là c'est là où on marche. Ici on va être à ce niveau là et donc de l'autre côté pop pop. Avec 18, ça devrait aller mieux. Salut Ectacube. Ouais, c'est le Faithful de Relien Sama légèrement modifié. Pour le biome de la Cité Interdite, qui est un biome forêt fleurie, Flower Forest.
Et les planches de chêne, par exemple, on les a dorées cuivrées, car tous les toits de la cité, la plupart des toits de la cité interdite sont émaillés dans cette peinture dorée, dans cet émail doré. Puisque tous les bâtiments où l'empereur était susceptible d'aller devaient avoir cette teinte. L'empereur de Chine. Alors ensuite, eh ben, on va s'occuper un petit peu du parapet. Donc là, on a une légère avancée comme ça. Et on va utiliser du... Est-ce que j'ai de la co bleue? Alors du coup, on va se faire un coffre pour... mettre un petit peu ce qui nous sert pas, les bouts de bicone. Ça je vais l'utiliser. Bon bah la terre que j'ai en trop. Ce genre de choses. Ah bah tiens, les champignons. Voilà, ils vont plus nous casser les pieds. Ok. Je vais essayer un truc comme ça. Alors en fait, ouais, je fais ça, mais tout est un peu en marbre blanc. Il faudrait que, du coup, j'utilise plutôt la diorite avec les planches de bouleau. Planches de bouleau qu'on a, ben on le voit ici. On a modifié la texture également des planches de bouleau pour, parce qu'ils utilisaient beaucoup de marbre pour. Donc on s'est dit, ah tiens, le bouleau c'est blanc, donc en vanilla ça le fait. Et avec un petit pack de texture, on lui met une petite texture de diorite modifiée et ça va le faire aussi. Allez, je vais chercher de la diorite. Qui en est là. Hein. On va se chercher de la diorite. Ouais, on en prend 64. Hein. Et ce que j'aimerais bien récupérer, c'est du bouleau. Et là, j'en vois pas. Salut mon Nico. Comment que ça va, Tibien? Alors, du boulot, du boulot, du boulot. Bon, bah du boulot, c'est dans la salle des coffres. Hein, Alors, si j'en ramène pas mal, hein, j'aurais dû me débarrasser de ça. Hop. On va se chercher. Alors, la salle des coffres, elle est accessible par la petite porte là-bas. Et j'ai récupéré un œuf. Hein. Pas de bébé. Hop. On est dans les entrailles de la porte du midi. Et dans notre première salle des coffres. Donc décorée par Dame Dodo. Et les arbres. Ouais. Oh, ben ça va, ça va, ça va, ça va. Oh, ben il y a ça. J'ai un tronc, ça devrait aller. Je vais en prendre un deuxième, hein, au cas où. Je vais en prendre plein, parce que sur la place, on aura besoin de plein, de toute façon. Ouais, j'ai la tenue d'empereur. J'enlève tac 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 hop F5 voilà oh, je suis l'empereur Yongle bon, je suis l'empereur masqué hein. Et on voit dans le dos il y a le Z avec le en surimpression le Y donc c'est Dame Dodo qui m'a fait le skin d'après des gravures d'époque voilà on est en pleine immersion dans le 15e siècle chinois.
Alors pour l'instant je vais laisser ça là. Tac 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 tac. Bof, on va se transformer tout ça. J'ai des barrières. Donc là c'est de la poly. Alors le problème. Ah, donc si je pose pouf, du bois, j'ai cette texture. Et par rapport à la diorite, allez, on voit que c'est légèrement plus pâle. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Damned. Et surtout, il n'y a pas de liaison. Hein, ça fait pas comme un dallage. Ce qui fait que pour monter un mur, en fait, c'est pas si bien que ça. Mais du coup, on a les dalles, des escaliers. Ce que je pense, on n'aura pas avec la 1.13, mais peut-être avec la 1.14. Alors, on va faire des tests. Parce qu'en fait, je mettrais bien diorite, diorite. Du coup, barrière. Donc ça, je l'enlève. Hop. Ça serait peut-être pas mal d'intercaler les deux. Oh là 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 là, ça c'est l'efficacité 5 avec le beacon. Il faudrait quasiment que je me fasse une pioche en fer pour les petits. Là c'est quoi normalement? C'est un bloc, ok. Pour les petits ajustements, parce que casser avec l'efficacité 5, si on fait pas attention. Ben après, je l'enlèverai le ressource pack pour qu'on voie la différence. Parce que là, ce que je ferais bien, c'est du coup essayer d'intervertir comme ça. Qu'est-ce que ça peut donner comme truc? Pac, 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 pac. Donc là, on est là. Et puis là, on fait limite comme ça. Donc là, je fais pareil. Diorite, diorite, diorite doublée. Alors pour la déco de ça, donc dans le logiciel de Google. Alors en Chine, on n'a pas accès à vue de rue. Mais il y a des photos qui sont prises elles sont prises à 360 degrés. Et dans cette cour-là, par exemple, on peut se positionner dans cette cour et voir comment elle est. Alors on voit évidemment comment elle est actuellement. Mais bon, il y a assez peu de mises à jour par rapport à la limite, ce que je pourrais faire, c'est en rajouter là. Comme ça. Ah, je me demande si dans la réalité il n'était pas plus large. Oh, ça fait déjà pas mal 5 mètres. Hein. Allez, j'enlève le pack de ressources. On revient au défaut 16 sur 16. Rien que les toits, tout ça, bon, ça choque pas trop, ça fait un petit peu bizarre, mais ça pique pas les yeux, hein. C'est pas comme certains packs de ressources où une fois qu'on repasse en vanilla, ça explose tout. Bon, je repasse en... Ah zut, c'est lequel? Ah ça c'est malin, j'ai pas la version complète. J'espère que c'est le bon. Et pas plus bombé.
Ah, voilà, dame dodo. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Bien le bonjour, dame dodo. Mais on s'est vu ce matin, en fait. je suis en live et sur Discord. Hop. Alors je vais regarder. Je vais regarder sur Google Map Pékin. Hop. Pékin, Pékinois, bonjour. Bonjour, Dame Dodo. Voilà, si c'est très légèrement bombé, ça le fait, quoi. Je crois que j'avais regardé. Ils montent pas très haut, hein. C'est pas comme les ponts vénitiens. Ouais, c'est vraiment léger, ouais, ça monte à peine. Par contre, nous, bon, on est un petit peu coincé avec. Voilà, je reviens. Je pense que c'est assez ressemblant avec la réalité. Bon, là, les entrepoteaux sont moins gros. Dans la réalité, c'est plus fin, hein, c'est de la sculpture fine. Bon, nous, on est dans Minecraft, hein, donc on fait un peu ce qu'on peut. Voilà. On fait un petit peu ce qu'on veut. Alors, Ah, Nico! Jean, t'es Mon petit Nico! Z, je passe vite fait parce que pour donner un petit effet arrondi, est-ce que le garde-corps t'essaierait pas de peut-être mettre une dalle au-dessus, au centre, tu sais, pour essayer de travailler un petit peu le côté arrondi sur le quand tu arrives au milieu du tablier du pont, tu sais, quand tu le regardes de côté, parce que là c'est vrai qu'avec la ligne ça fait vraiment tout plat en fait. Alors que le tablier, tu vois, t'as tes deux dalles quand tu montes dessus. Mais c'est vrai Ouais. qu'au niveau du garde-corps, ça fait vraiment rectiligne quand tu es sur le côté. Je pense que c'est ça aussi ce que Laure, elle veut dire dans le chat. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que ça va me faire enlever la. Ça veut dire le premier. Là où j'ai mis la première. Tac. Ici, je mettrai une dalle. En fait, il faudrait que tu intervertisses entre tes blocs de diorite et tes blocs de bois reskinés. Comme ça, tu pourrais mettre des dalles, en fait, du coup. Non? Ça le... Ici donc. Ça va, Dame Dodo? Mais oui, et toi, Nico? Bah, écoute, Ça va? enfin. Hop. Donc là, j'intervertis. Ouais, donc là-bas, je pose une petite dalle. Ça, je le casse. Et là, après, je remets. Parce que c'est vrai, quand on voit vraiment les ponts japonais comme ça, qui sont en bois, etc., on voit bien même le garde-corps, ça fait super arrondi, tu sais, ça fait harmonieux, quoi, ça fait... C'est vrai que là, le côté rectiligne, ça fait un... C'est vrai que c'est un petit peu platouille, là. Ouais, ça choque un petit peu, ouais. Faudrait arriver à donner On peut ce pas mettre un petit escalier, goût. là? Attends. Parce que t'as vu, les photos, Si, là. ils sont pas très très élevés, hein. Ah non, j'ai pas vu les images. Il faudrait peut-être aller voir les images d'abord. Oui, mais il faudra arriver à jouer avec les dalles, et c'est pour ça que je t'avais dit, ouais, au pire, à la place de tes blocs de diorite, comme t'as ton bloc de bois qui est reskiné, si tu veux mettre une dalle sur le... Tu vois, t'as trois barrières et deux blocs au centre de ton tablier quand tu regardes sur le côté, quoi, du garde-corps, je veux dire. Si t'as du bloc... Comment ça s'appelle? Si t'as du bloc de bois reskiné, tu peux mettre une dalle au-dessus, ça va être dans la continuité. Ah ouais, il faudrait voir en dessous en fait, peut-être aussi. C'est vrai que ça fait un peu rectiligne, je trouve. Donc, je sais pas comment tu pourrais faire en fait.
C'est-à-dire que là, oui, là, ça fait clairement un peu plateau. Là, ce que j'ai modifié, ça va déjà un petit peu mieux. Après, éventuellement au milieu, là, je pourrais presque remettre de la pierre taillée. En plus, on la verrait pas, hein. Ce qui fait que ça... Et paf, par terre. Hop. Pierre taillée. Hop. Attention, mesdames et messieurs. Ben c'est le haut qui doit être en courbe, pas vraiment le bas. Là, je trouve que Ouais, je trouve que ça change pas le schmilblick. ça fait pas joli. Sinon après ça veut dire qu'il faut utiliser que les dalles et pas les barrières. La durée de poli, je la mets là. Est-ce qu'on peut alterner barrière dalle, barrière dalle? Oui, parce que là, à la limite, au lieu de mettre de la barrière, Regarde, je suis en train d'arriver pour sauter dans le lit, dis donc. ouais, je vois, je te vois. On peut mettre comme ça, et là, faudrait presque faire comme ça. En fait, oui, il faut que tu suives l'arche de ton pont que t'as faite là, elle est parfaite là. Tu vois, ça fait une jolie petite courbe là, au milieu. Hop! Ouais. Ah bah. Je serai la dernière à dormir, hein, parce que je marche sur le pont. Hop là! Ouais, puis pour poser sur les dalles. Alors, salut, Cillian, Mr. Willy. Bah salut aux viewers, hein, parce Et que voilà. Notorious, DZ. Notorious. Voilà, ceux qui disent bonjour dans le chat, et puis à tous ceux qui sont là et qui n'ont pas écrit. Parce que là, après, on peut même carrément Z, faire attends, comme attends. ça. Est-ce que pour donner ce côté arrondi, on mettrait pas de la stone brick quelque part ici, là, quand j'ai des torches. Bah là, ça fait hyper moderne, je trouve. Hein. Ouais, ça fait trop rectiligne en fait. On est à la courbe, mais on n'a pas le. Essayer de prolonger cette courbe-là et venir suivre avec Je l'avais fait le garde-corps en fait. Tout à l'heure, mais du coup ça fait ma stock. Mais Ah peut le oui, retenter. ouais, faudrait peut-être essayer d'affiner. Attends, comment on peut faire? Comment on peut faire? Viens voir ce que ça donne. Allez, viens là, toi, le petit bloc là. Hop. Faudrait bientôt peut-être essayer là ou là d'avoir un escalier pour couper la pente. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que tu as un petit peu de diorite sur toi pour faire un essai dans un coin Z? De la poly, tiens. De la planche de bouleau, tiens. Ah, j'en ai. Il y avait quelques bûches dans le coffre. Je me suis permis de faire quelques planches. C'est-à-dire que, ouais, avec les planches, du coup, ça fait ma stock et ça fait moins ancien. Alors que là, on a bien l'aspect avec les barrières. Ah ouais, moi je trouve qu'il faut les barrières. Hein. Après, on peut enlever ça et remettre la barrière au milieu. Alors Lynn nous dit avec des escaliers, mais bon, cela ferait comme un trou. Ah, ça fait pas GGN. Il y a Oh mince, j'ai pas de barrière. des Attends. sweep of T'en fan. as beaucoup des barrières Z ou j'en craft un petit peu? J'en ai 17, je peux t'en donner un petit peu. Je t'en donne la moitié, tu vois. Parce que là.
Alors après, si tu veux... Parce que en face de l'autre porte, il y a un autre pont à faire. Hein. Mais ils sont tous Ici. identiques, les ponts. Ouais, ils sont juste un tout C'est petit peu moins larges. pas le... Ouais. C'est pas la première cour où t'as une espèce de canal avec trois ponts qui passent au-dessus? Cinq ponts. Il me semble. Cinq ponts. Ah d'accord. C'est avant la porte. C'est pas la porte de l'harmonie qui est en face ou un truc comme ça? J'ai plus. Ouais, porte de Ça rappelle l'harmonie, dans ce. porte de la suprême harmonie. Ah oui. Ça me disait quelque chose en fait. Donc là, tu as un autre pont. Alors, ce qui se passe ici, c'est qu'ils sont moins larges, donc ils font 4 de large. Alors, si on met la diorite. Donc, si on compte 4, 1, 2, 3. Non, il va jusque-là. Et là, du coup, il est légèrement décalé. Il est traviole en fait, Ouais, non? d'un bloc. Comme ça quoi. Tu veux le faire partir en décalé comme ça ou pas d'un bloc? Tu traviole ou pas, Z? Bah Par rapport à l'alignement d'en face, non, il est pas un peu en biais ou il est droit en fait le pont? non, il est droit là. Ils sont tous parallèles en fait. Mais il est un petit peu sur une ligne de travers quoi. Donc là tu le mets pile en face, ouais. Je vais creuser un petit peu en dessous. Dire que ça fasse vraiment pont quoi. On retrouve le bon vieux problème de l'échelle 1. Et oui, avec une courbe qui est quand même relativement fine. Oui, elle n'est pas hyper Pas très prononcée, hein. Elle marqué. n'est pas très marquée. Donc Donc faut juste, bah, il faut essayer de la suggérer. c'est vrai que nous, avec nos barrières de 1 mètre sur 1 mètre, Ah, nos blocs là, ouais. ouais. Ah bah il y a toujours le chien mangeur de poule. Ouais. Alors, Lynn nous dit. Ouais, c'est pas évident d'expliquer en écrivant. Avec des escaliers à l'envers sur les deux pierres taillées. Celle du milieu, tu veux dire? Moi j'ai rien du tout, je suis une pauvre malheureuse. Moi je suis venue avec ma pelle et ma pioche. Je pensais qu'on allait terrasser. Je pensais pas qu'on allait faire des Tiens. ponts. Je vais aller en C'était pas refaire. l'école des ponts et chaussées, hein, mais Je vais bon aller en voilà. chercher. En fait, Z est... fait partie du génie maintenant. Après, appelez-moi empereur, appelez-moi génie. Mais oui. Génie. Sans bouillir. Oui, je fais regarde que pierre, faudrait que je regarde roche plutôt. Mais. Ah oui, si, il y en a plein là. Allez, j'en ramène pas mal. Enfin, pas mal. Et je le dépose dans le petit coffre. Alors, donc, escalier. Ah, merci, Mr. Willy. Donc, tu voulais des escaliers retournés à l'envers, je veux dire. Ce qu'il y a, c'est que ça. Si on veut la courbure, l'escalier, il va rien, il va pas changer à grand chose par rapport au bloc. Ici alors. En dessous. Ah, pas assez de dalles pour faire le tablier du pont.
fait bizarre. Celle du milieu qui me choque du coup. Et si on remet une diorite? J'en ai ramené pas mal de roches pour refaire de la pierre taillée. Ça va faire un trou, ouais. Ouais, parce qu'ils sont pas censés être... Ils sont assez simples, en fait, hein. Quand on regarde la photo disponible sur Google Maps, assez simple en finesse, mais de petite taille, quoi. Après, bon, ça fait un peu le truc un petit peu travaillé pour éviter d'avoir... Donc dans la réalité, ça serait... Il faudrait plus le représenter par de la pierre taillée, quoi. Parce que là, on a l'aspect un petit peu mastoc... du blanc. La masse blanche fait un peu trop grande. Je vais remettre... que j'ai mes trucs. Et du coup, je pense que ça rappelle, même si là le décroché, ce qui aurait été bien, c'est de pouvoir ici mettre une dalle en bas de pierre taillée et une dalle en haut de diorite. Ça, ça aurait été génial. Et on aurait bien eu la forme. Bon là, comme ça, la forme, on a toujours cet arrondi qui est... suggéré entre guillemets, sachant que c'est de la suggestion, bah ouais, c'est du bloc de 1 mètre quoi, donc c'est de la suggestion un peu lourde. Mais il vaut mieux la suggérer comme ça, je pense, que ne pas du tout la suggérer. Après, je sais pas, j'essaie de faire un test, hein, Z. Après, le problème, c'est le blanc sur le côté, il fait imposant, je pense. Ici, le bloc, il faudrait voir pour le descendre, je pense, pour que ce soit plus petit. Les ponts sont pas éclairés, hein. Donc c'est pas ça que je voulais faire. C'était un coup de F4. Oui, pas éclairé du tout, du tout. Alors petit dodo. Ouais, je pense. Hein. Hop, hop. Un dodo avec dame dodo. Hop. Mmh. Donc là, oula là 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 là. Hop. Et après, barrière et dalle au milieu. Toc. Coucou Skyra. Hello tout le monde. Salut. Bonjour Skyra. Michel nous dit de l'extérieur vers l'intérieur, une dalle, un escalier, un bloc,
une dalle plus un bloc central, le tout en boulon. Ce qui me fait bizarre, c'est les espaces. Espace blanc. Alors, là j'ai mis le poteau et j'ai mis la diorite à un cran. Donc là, c'est pas évident hein, de traduire. Ici, donc de là on dit que c'est l'extérieur, une dalle, un escalier, un bloc. Une dalle et un bloc central. Le tout, c'est la dalle au-dessus. Le problème... ouais, ça ferait une courbe. Le problème, c'est qu'en dessous, on doit avoir... on est censé avoir un pont en pierre taillée, quoi. Ouais, celui-là paraît plus mastoc. Bon, c'est celui de l'empereur, hein, donc. C'est normal. Faut un pont qui pétouille. Hein. Ouais, faut qu'il soit plus imposant. Je vais enlever le poteau là. Qu'est-ce que ça donne, Z, avec ton ressource pack modifié par rapport au boulot? Parce que tiens, moi, je... Si tu vois sur Twitch... Je vais regarder sur le retour... Je vais... Bah, attends, ouais, je regarde sur le retour du live. Ouais, c'est vrai qu'en plus, avec la texture... Je vais descendre un petit peu par ici... Mais à la limite une peut-être une barrière là. Ouais mais c'est un demi-bloc. Ah oui, c'est un demi-bloc. Ah zut. J'ai essayé de jouer avec les dalles, tu sais, pour essayer de accentuer ce côté courbe. Mais le problème, ouais, c'est ce que tu disais. On peut pas par exemple mettre une dalle de stone brick par exemple et une dalle de boulot au-dessus, quoi. Ça c'est grrr, ouais. À moins d'être sur le, en jouant sur le d'être à cheval sur une frontière, mais du coup on peut rien mettre en dessous, ouais. Ce qui explique le fait qu'après on se retrouve avec des petits creux comme ça en fait, parce que là il y a une dalle, c'est une dalle sur une dalle, c'est pas un bloc ici, donc en dessous on a forcément un trou. Et plus dalle ou plus escalier en fait, je sais pas, c'est un essai que j'ai fait. Ah oui, là-bas. Alors regarde à droite du garde-corps, j'ai mis une dalle et de l'autre côté c'est un escalier. Est-ce que c'est... je sais pas. Ah, le problème c'est après ce que tu mets à gauche, ce que tu mets en prolongement de l'escalier. Ouais, c'est ça en fait. Et le souci c'est si je mets une dalle là, ça va faire trop massif. Ouais. À moins que je mette un escalier à l'envers là. Mais pareil, ça fait un peu... Attends, on peut peut-être jouer avec les escaliers, du coup.
Alors il dépasse un petit peu, hein. Il dépasse d'au moins 2 mètres sur le bord, hein, comme ici, ouais, 2-3 mètres. C'est ce qui fait qu'ils sont allongés. Le tien par donc du coup là il fait trop bombé, alors que quand on regarde sur Google Maps ils sont bien élancés quoi. Ils font vraiment un plat. Ce qui est pas trop mal rendu par celui-là en fait. Je commence à m'y habituer, je le trouvais un petit peu lourdeau là, celui que j'avais fait au milieu, mais. Parce que là du coup. Oui, le problème de... Ouais, le problème du mien, on est d'accord, c'est au niveau des espaces vides en fait, c'est ça qui est, ouais. Qui est relou quoi. Et ce sont les 5 mêmes ponts. Oh oui, hein, ils sont presque identiques à part la largeur. Ouais, c'est ça, ils sont. Ils font la même largeur au-dessus de la rivière, il y a juste la largeur du truc. Ils sont à 4 mètres alors que l'autre il fait 5 mètres. Étant au milieu quoi. Arline me dit le premier modèle était mieux que ce que j'avais fait. Le problème c'est que je me souviens plus du premier modèle. Celui où c'était pas en quinconce là. Ils étaient droits. Allez, et ça, on aurait dû l'installer juste au-dessus pour faire plongeoir. Ouais, on l'installe là et on fait un plongeoir. Mais moi, j'ai une petite question. J'ai une photo à côté de moi. Je trouve que l'arc, elle est trop basse. Par rapport à une photo, je sais pas. Ah, parce que là, le niveau de l'eau, il va arriver où techniquement? Il y a deux de profondeur. Bah en fait j'ai vu des photos où l'arche a été assez basse en fait. Hein. On n'est pas censé passer en bateau en dessous quoi. Mais ouais c'est des arches pour faire joli, ça fait comme ça plutôt. Ouais. L'eau va arriver à la limite de cette ligne de cobalt, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. L'eau est là, ouais. Mais comme tu disais, Zed, on est confronté à cette échelle 1 en fait, qui est pas évidente avec Minecraft vu que le moindre bloc c'est un mètre cube quoi, direct. Quoi. Et oui, et là le pont il est tout petit, hein. Oui, c'est du tout petit ça, ouais. C'est non, mais c'est un vrai défi. Ah, j'ai pas vu le commentaire, Lynn, celui-ci, là où il y a le coffre. Eh, le premier pont, c'était celui de l'empereur. Bon, on va déjà faire les piles de l'autre. Noir, attention aux monstres qui attaquent. Bah ouais, il y a des zones rouges, hein. Et vers les ponts, justement. Ouais, il y a des petits salopios qui ont cassé les. Ah vache. Les torches. Les torches, hein. Moi, je citerai pas de nom, hein. Pardon. Bah, du c'est coup, bizarre ouais, comment ils se sont visés, en fait. Oui. Oui, hein, on a rien dit. Ah non, mais parce que moi.
Non, parce qu'on avait terrassé hier avec Zed, alors je pense qu'il parlait de moi, enfin j'en savais rien. Non, mais c'est moi qui ai cassé les torches en fait. Hein? Ah ouais, puis tout le fond là. Ouais, bon, le fond c'est pas grave parce qu'il pourra... on aura le temps de les tuer. Est-ce que ça fait pas mieux avec des trappes de fer? Ça fait un peu plus arrondi. Non? Ouais, toi t'es riche. Ouais, ça finit le... Ouais, c'est vrai, surtout cela ici. À la limite, je mettrais pas la deuxième au-dessus de la barrière au milieu. Peut-être. Ouais, quoique... Faut tester. Ouais, ça fait pas mal ça comme ça. Bon, on va rester sur ce pattern. Ouais, parce que là, du coup, ça fait... Tac. Donc là, ça fait presque une demi-dalle. Ouais, en fait, un tiers plutôt de dalle. Toc, toc, toc. Ouais, ça donne la courbure. Ça donne la courbure. Et quand on est là, hop. Sans trop monter, puisque il n'y a pas une grosse montée. T'as tapé dans le fer qu'on a récupéré hier dans la mine abandonnée. Chut. Faut pas le dire. Mais à ce tarif-là, si t'as changé la texture du bois de boulot, tu l'as fait pour tout. Ah oui, mince, non, on n'est pas en 1.13, on n'a pas les plaques de pression au boulot. Non, ouais, non. Non, ça joue que pour... Non, bah là, il est ici, alors, ici, ouais. J'ai l'impression d'avoir mis 5 d'écart là. 1, 2, 3. Ah non, c'est 4. Ok. Ouais, là donc, du coup. Non, je suis en train de complètement me planter là. Je devrais en avoir un de plus en fait. Il est décalé comme ça quoi. Il est décalé katam. Décalé katam. Dès que c'est plus droit, c'est compliqué quoi. Bon, pourtant avec Amiens, tu devrais avoir l'habitude de faire du travail. J'ai un peu de mal pour le dernier défi, on va dire, hein, le Kébélu. Ah, c'est que de la petite maison avec des façades de 4 ou 5 blocs. Oh, aïe aïe aïe. Je souffre un peu là. Z, pour le dessous du pont ici, là, vu qu'il est légèrement de traviole, ça fait un peu... Ça fait bizarre, en fait. Hein. J'essaie de faire le même que le tien, mais le problème, c'est que le mien est pair. Donc... Ah oui. On devrait avoir 5 d'écart. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, là, ici, je vais peut-être mettre une dalle. C'est que... Non, mais, que... Avec le décalage, non, mais c'est que là, surtout, tu... Aïe. Oups. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Bah bon, moi j'aime beaucoup le pont. Il a à la fois le côté léger, non, c'est excellent.
La courbe est là. C'est une dalle qu'il faut mettre. Ouais, c'est une dalle. Ici, comme ça. Ouais, j'étais en train de remettre la musique. Ouais, c'est vrai qu'après, du coup... éventuellement, le deuxième rang, on peut le casser hein, pour tricher un petit peu. Pour avoir un aspect finesse... et faire le décalage un peu plus tard. Sinon, ouais, on va avoir des soucis. Oh, il faut que je mange, moi. Ouais, ça non, fait... faut ça rajouter un peu de déco. Ouais, ça fait... Non, ça fait pas mal... Je pense qu'avec les dalles, on gagne l'arrondi que justement on cherchait à avoir. Ah, moi je trouve que c'est les plaques de pression qui font tout métallique. C'est... Tout de suite, paf, ça change. Ça, tac. Planté, bien sûr. Hein. On va la couper au milieu comme ça. Ça se verra pas. Du coup, ouais, c'est un escalier. Est-ce que j'ai encore des escaliers? J'ai rien oublié, Skyra, là. C'est bon, je dirais. Oui. Ouais, j'avais mis des dalles au milieu. Ouais, on n'est pas obligé forcément de les mettre, hein, parce que... alors... Ensuite, toc, 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 toc. Alors, n'a plus. Oh, encore une. Est-ce que c'est de la roche? Non, c'est de l'andésite. Alors, l'andésite, ça sert à rien. Mais on la confond avec la roche. Tiens, monsieur l'empereur, qu'est-ce que vous en pensez? Avec le décalage. N'a plus. Là en dessous c'est pas fait mais il faudrait... Ouais, ici ça pose pas creuser, de problème. Ouais. Ouais. Mais sinon avec le décalage de 1, là pour suivre le décalage de la rive par ouais. Rapport au... Ou carrément au côté, on triche et là en fait on fait un décalage de 2. Ce qui fait qu'en fait... À quel endroit Z? Ici. Du coup là... Aïe. Je les ai pas récupérés ici. Je les ai. Oh, oh, pardon. Trop vite. Ouais. Et du coup, ouais, il faut en mettre ici aussi. Tac. Juste comme ça. Je pense que. Ah non, oui, ouais, il devrait plus être ici en fait. Ah oui, là c'est des blocs en fait. Là au milieu, ah, c'est pénible ce truc. Là, c'est une dalle. Je crois. Appuie. Dalle. Et là, du coup, ici, là-haut, c'est une rangée de blocs ou une rangée de dalles ici? Alors, ça, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est un escalier. C'est rangée de.
Logiquement, il y a des dalles qui devraient... Bloc et dalle au milieu. Donc en fait, au milieu, on met de la dalle jusqu'à ce qu'on change de coin. Et sinon, c'est bloc. Ouais, quelque chose comme ça. Sachant que là, bon, on sera rarement ici, puisque là, on est dans la flotte. Hein. À la place de ces deux-là, ici, on mettrait pas des dalles pour éviter que ça casse le... de trop le... Ouais, on les verra pas, hein, mais c'est vrai que... Oui, non, mais... On prend pas de risque. Si jamais on se balade en dessous, si on veut nager dans les dans la rivière aux eaux d'or... Ça bloque moins le regard, en fait, sur le pont, en fait. Ouais, tout à fait. Oh, il va déjà faire nuit. Attention à l'arrêt. Ça m'étonne que Skyra il met pas prompt dans le chat. Attends, je vais le mettre. Je finis ce jeu infantile. Oh, qu'est-ce qu'il nous faut là? Ils étaient tous en train de courir après prompt. Premier. Hein, oh là là. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Pour les barrières entre les ponts, on reste classique ou tu as pas à terre de particulier? Non, on reste classique, c'est simple. Elles sont très bonnes, okay. Elles sont assez simples. Donc tu veux pas alterner barrière-portillon, ça pourrait faire... Oui, justement, c'est... je pensais à ça. Ah, éventuellement, ouais. T'as changé la texture du portillon aussi? Là, elle change aussi, ouais. Ouais. En fait, tout ce qui est avec... On va faire un petit test Skyra pour voir ce que ça peut donner. Tout ce qui utilise la texture bouleau est changé, en fait. Sauf le bateau en bouleau, qui n'est pas là... Il utilise un... c'est pas... comment ça s'appelle? Optifine, qui doit gérer la texture qui est choisie, donc il peut pas la modifier. Tu vois, c'est bête, je trouve le côté avec les portions plus aéré, tu sais, vu que 1 sur 2, t'as pas le pied de barrière, ça fait... Ah ouais. Après, c'est Monsieur l'Empereur qui décide. Hein. Bah ils sont... le truc, c'est, dans la réalité, c'est des bas pleins, mais de toute façon, on peut pas les faire. Alors. Non, mais ça fait plus sympa comme ça, ouais. Plus... on retrouve la finesse... du truc, quoi. Alors du coup, qu'est-ce que vous en pensez dans le les viewers? J'ai jeté l'andésite, j'ai jeté la diorite et je vais aller chercher poc. Je vais aller chercher on peut monter dessus. Ah, c'est marrant ça. Alors que ça fait plus d'un bloc. Hop. On peut sauter sur la trappe. Donc Lynn nous dit que c'est super. Michel valide. Ouais. C'est Walid. C'est Walid. Qu'est-ce que je suis en train de chercher? De la roche. Hop, j'ai rempli tout le truc. Et Edgy valide aussi. Oh, bah, vous êtes gentil. Oh bah alors. L'échelle 1, c'est surtout quand tu viens de bosser sur un gros projet en échelle 4, hein. À Monico, ça doit pas être évident. Hein. Ah ouais, alors du coup là, je vais avoir un décollage. Comment t'as réglé le décollage au milieu du pont? Je les vire. J'ai trichouillé un petit peu en fait. J'ai laissé droit au milieu du pont. Mais du coup, je me demande si je mettrais pas peut-être une. Mettre deux dalles ici et en. Ah bah non, faut que ce soit.
Si, enlever deux dalles ici ou T et remettre. Ouais, comme c'est du pair, on doit pouvoir ouais, découper 2-2. Ouais, et puis faire pareil là. Ouais, ça le. C'est mieux, je pense là. Ouais. Du coup, faut peut-être une dalle ici. Ouais, mais j'en ai plus. Ah, bah, je te la mets. J'en ai plus que deux, mais. Il y a des il y a de la stun quelque part ou dans les coffres non il y a pas plein. Attends je t'en mets là j'en ai mis un stack il y en a sinon dans les coffres là au nord ok il y a plein de cobble il en reste encore un peu de roche mais sinon il y a masse cobble donc on va faire pareil 2-2 hop hop et du coup Je te mets des dalles et des blocs, des escaliers ici, Z. Tu mets ? J'ai mis des... Il y a des blocs, des escaliers et des dalles en stone brick. Ok. Et sinon, il reste... Il reste deux autres ponts à faire, hein. Alors, je regarde l'écartement. Ouais, on peut les faire au même écartement. Donc de... là, il y avait combien d'écart ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein, dans la réalité, ils étaient peut-être un peu plus éclairés. Donc là, il faudrait reprendre le même écartement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis, on refait un autre pont de 4 de large. Donc 4 plus 2 avec les barrières. Bon, ça risque de prendre un peu de temps parce que je suis encore la pioche en pierre. Moi, je suis au Moyen-Âge. Oh, bah, attends, oh non, je te donne un coup. Ouais, mais t'as un beacon célérité 2. Salut Pierre. Alors, est-ce que tu as raté beaucoup? J'ai commencé à 16h. Ouais, moi, 16h et quelques. T'as traîné pour ton petit goûter. Bon, c'est important le petit goûter. Ouais. Moi je suis sorti tard de table, alors ça décale mon goûter. Ouais, parce que si c'est de la chair de zombie, du coup ça casse l'ambiance. Hein. Avec des petits asticots là. Oh, qu'est-ce que t'as goûté? Non, non, ne raconte pas. Pitié, non. C'est fou à quel point on atterrit toujours sur le thème de la gastronomie. C'est normal. On aime bien manger, nous. Ah bah oui. Bah oui. Alors. Alors, de la diorite. On va essayer de trouver ça dans les coffres. Donc là, on a encore. Oui. T'en as plein dans celui-là, Nico. Celui-là. Là où je suis. On a 4, une dalle au-dessus. Ici. Ouais, la diorite. La diorite. Oh, j'ai tombé en rade de diorite. Je t'en ramène, Z. Ok, merci. Merci. Avec deux stacks, je pense que on a de quoi faire une tralée de pont. combien j'ai dit d'écart pour les autres? Vache, j'ai oublié. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah là, j'ai 9 ici sur celui-là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aïe. Bon. Est-ce que ça se voit? Lequel est à démonter? Bah, le fait que je suis, oui, il y a un côté qui est plus long que l'autre, hein. Même si c'est un bloc, ça se voit. Ah, je pense que c'est moi qui ai pas respecté
Ouais, parce que le poteau marque le milieu de la porte. Dis, Et moi, je l'ai décalé de dis-le 1. avant que. Ouais. Dis-le que je commence à... avant que je commence le suivant, parce que si c'est de mon côté qu'il faut décaler, faut que je sache avant que je commence, quoi. Là, Bah non, mais le d'un côté, milieu il y a est 8 et de l'autre, il y a 9. ici. Ouais, non, mais c'est moi. Là, il a été décalé de. Donc, le poteau est là. Moi, je l'ai mis ici, alors que là, il était là. Après, est-ce que. Dans la réalité, ils étaient peut-être plus écartés que ça. Ici. C'est bizarre parce que. On a le même nombre de. Ah non, ici, il y a deux poteaux. Au niveau des barrières, elles Non, sont. il manque une barrière ici, là. Elles sont plus symétriques Il manque, qu'avec ouais. 9. Mais. Ouais. C'est vrai que ça fait bizarre du coup quand tu regardes les barrières là et que tu regardes là, tu le vois qu'il manque une barrière sur le bloc en fait. Aïe aïe aïe, il se lâche sur le chat. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On décale celui-là Ben moi je trouve que celui-là il est beaucoup plus en face de la porte Ouais. que l'autre. Bah, Ouais, du coup, il va falloir faire quelque chose pour les barrières parce que ça fait un peu bizarre d'avoir un poteau à ouais. droite là ici et pas de poteau là en fait. Alors, merci Hectab-Cube pour le suivi. Dans la réalité, moi j'avais compté un écartement de. Attends, je reprends mon plan. De 2Z. Ouais, de presque 10. Entre les ponts. Ah, et l'autre c'était plus petit, c'était plus serré. Ah, excusez-moi. Bon, maintenant tout est bien torché. On sait jamais, hein. Les clippers samouraï. Aïe 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 aïe. Moi je serais pour plus faire un écart de 9. Mais du coup, parce que du coup les barrières elles sont. Ça fait bien symétrique. Le fait que ça soit pas en face des portes, je pense que ça devait pas être tout à fait en face des portes, mais. Façon, on tracera une ligne, mais au niveau du carrelage, parce qu'il y en a une dans la réalité, mais uniquement avec la. Avec celui de l'empereur. Une ligne qui va traverser toute la place. Parce que les cinquièmes ponts, ils ont le même écartement quasiment. Donc par rapport aux petites portes qui sont complètement de l'autre côté, tu vois, elles sont pas. Les ponts sont pas du tout en face des petites portes. Donc je serais plutôt pour décaler. De toute façon, il faut en décaler un, dans un sens ou dans l'autre. Donc Allez, on va écarter celui-là, comme ça on remettra une branche de poteau ici. Bon, ben. Ah oui, non, ça c'est du. Alors on n'a pas tout à casser, hein, heureusement. Il faut juste. Hello. Bonjour. Salut! Ça va? Ouais. Bonjour. Salut Dodo. Et toi? Récupérer tout ça. Donc pour ceux qui l'auraient pas reconnu, on a l'ami Dédalos sur le chat avec nous. Alors on s'est bien Salut à amusé. tous. On s'est bien amusé à. Oh, j'ai mon truc qui est plein. Y a des dalles et des boutons à récupérer en bas. Et je peux pas les récupérer parce que j'ai mon inventaire. Oh la tronche. Alors on s'est bien amusé à construire des petits ponts ouille chinois à l'échelle 1. Donc là on est. Donc il faut casser tout ça. Ah, t'as retrouvé une bonne copière.
Ah, j'avais peut-être de la place. J'ai. Donc là, ben, on va refaire pareil que ce qu'on avait fait tout à l'heure, c'est-à-dire que on décale un petit peu le. Non, pas ça du coup. Décale un petit peu ici. Et celui-là, eh ben, on va le laisser un peu en arrière. Oh oh. Oups. Il y a eu comme un petit machin. Alors, regardons mon nombre de... Ah non, j'ai bien 5 étoiles. Que je regarde... Ah, j'ai eu quelques images perdues. J'espère que ça va bien... Que ça se voit pas trop dans le stream. Tu es à 3 barres. Ah ouais, je suis descendu à 3 barres. Mais Pierre et Dodo aussi sont à 3 barres. Oui, mais nous, c'est habituel. On a l'habitude. Et là, celui-là, on va peut-être le... Du coup... Hop. C'est quand même ces histoires de coups, c'est... Alors là, il manque ça... Et c'est tout bon. Alors, on va se récupérer. Il y a quand même des petits problèmes pour récupérer les items. Hein. Il y a comme un petit temps. Non. C'est pas bon. Ce côté-là, il doit se décaler d'un bloc, le scare. C'est pas bon. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ouais, ok. Donc là, ici. Ah, casse pas tout, je suis en train de. Bon, je te laisse. Je bouge plus. On descend tout le niveau à 65 à l'autre bout. Côté ouest. S'il n'y a pas de. Empereur, Yongle, chef, des travaux finis. S'il vous plaît. Côté ouest. Oui. Alors ça dépend s'il y a les maisons. Là où il y a les bâtiments, par où tu es. En fait, je côtoie, je blablate avec un mouton. sur un petit plateau. Non, je suis côté de la tour d'angle. Ah, du côté de la tour d'angle là-bas. Oui, on va pouvoir descendre à. On va pouvoir descendre à 65. À 65. Ouais. Mm. Ici, on descend pas à 65 parce que les. Il y a une petite plateforme pour les bâtiments qui entourent la tour. Après, de l'autre côté. Oui, là, on a remonté. Et après, on est allé dans les grottes qui avaient du monde de partout. Ouais, c'est ça. Alors... C'est vachement clair ce que je raconte. Non, mais je l'ai raconté tout à l'heure. Bon, peut-être tout le monde n'était peut-être pas là, remarque. Et j'ai raconté qu'hier on avait. Ouf, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là, je suis à 2 barres. Ça a l'air de tenir. Alors, où sont les escaliers ? Ah, plus d'escaliers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, c'est pas ça que je veux faire. Oh, je vais jeter des... Balancer des trucs, là. Du rue de poli, j'en ai trop. Ça, j'ai pas besoin d'autant de cobble. Par contre, il me faut des escaliers. Escalier, tiens, attends. C'est bon. 55, je te mets dans le coffre. Bon, j'en ai pas besoin de 55, hein, mais... Allez. Non, mais j'en avais crafté un stack tout à l'heure, parce que... Ah, d'un autre côté, il y a encore un... Ouais, il y a encore donc deux autres points à faire. Hein. Donc on les passera. Hein. C'est pas un souci. 5, 6, 7, 8. Alors, voilà, c'est bon.
Donc le suivant, il est à 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, il est là. Donc là, diorite. Ah, il y a le bouton de Dame Dodo qui est là. Moi, Pierre. Et puis il est avec le cochon de Dame Dodo. Ah, pour l'instant, j'ai pas fait conversation cochon, mais ça va peut-être venir. C'est vrai que les moutons, ils sont collants hein, des fois. Ah, j'ai des petits soucis de. Non, mais c'est vrai, ils viennent tout le temps dans tes pattes. Ah oui, il y a des pierres partout dans les coffres. Eh ben. Oh la Z, ta connexion c'est de pire en pire là. Ouais. Je suis à une barre, donc bientôt zéro barre. Sur quoi tu tires là? Mais tue pas les bestioles! Mais non, je ferai des bébés. Mais quoi? Tu vas faire. Mais qu'est-ce que tu racontes, Kyra, là? Je ferai des bébés cochons, des bébés poulets, ne t'inquiète pas. Bah, autant les garder, ceux-là. Non, mais je pense qu'il a faim. Ah. Oui. Et après, moi, je vais manger quoi? Tu veux des steaks? Oh non, c'est bon, j'ai fait la réserve, là. Bah alors, pourquoi tu les tues? Bah, il nous gêne pas. Bah, C'est juste pour le plaisir, petit monstre. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Après, j'ai pas compté plus loin que toi. T'as même pas jusqu'à Fear. Non, je sais pas. Fear 5. Fear 5, Zex. Moi, je sais compter jusqu'à 3 en allemand. Oh, c'est déjà et d'ailleurs, c'est suffisant. Dry. Voilà. Et ça suffit pour s'en sortir. Combien de barres? Ah, je suis remonté à 3 barres. Donc ma connexion ne suit pas un. Hop. Faut juste que je sois patient pour récupérer les items et tout ça. Oh, mais vous êtes dodo. Hop. Oui, là en fait on peut le. On peut le laisser parce que le premier rang c'est de la pierre taillée. Et j'ajouterai même. Comme on se fait un décalage qui correspond à celui-là. Ici, on a. Non, pas ça. Hop, des escaliers ensuite. Là, bloc. Et puis, dalle. Et puis, bloc. Là on a donc là bloc. Ah, plus de bloc. Non, c'est bon. Ah non, je me suis trompé. Ici il y a
vache, c'est comme ça. Donc, ah bah non, je me suis pas trompé en fait. Ouais, y a jusque là en fait, on les mettait pas les escaliers, puisque au milieu, voilà. Allez, viens dès les petits escaliers. Poup. Ah ouais, et au milieu, ce qu'on fait, c'est que on remet. Et voilà. Pouc. Tape un peu là-dedans. Et de l'autre côté, donc celui-là, ce poteau-là, on l'enlève. Michel me dit que pour avoir une meilleure co, il faut que j'ouvre ma fenêtre et mettre des moufles. Alors cet après-midi, on a eu 13 degrés. Ah, ça se réchauffe. Alors j'ai plus d'image perdue, ça a l'air d'être. Moi, je suis toujours à 3. Tac, tac. Alors j'ai regardé le décalage parce que normalement c'est censé être symétrique. Hein. Mais nous, on fait ça à l'ancienne, pas de schématica, tout ça, rien. Et là, on a un décalage de 1 au niveau de la barrière, et on a le bloc qui est là. Donc, là-bas, il doit y avoir un décalage de trop. Tac, 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 parce que j'ai vu... Ah non, 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 il n'y a pas de décalage de trop, c'est juste qu'il est là. 20 ou 25 près de Lyon. Ouais. Non. Tu sais ce qui réchauffe. Ah oui, donc ce qu'il faut, c'est que je mette mon bloc ici, en fait. Hein. Et avec l'autre, on a un décalage. Donc 1, 2, 3, 4. Et là, on est censé être ici. Ce qui veut dire que ça... Voilà. Et là, après, bah, faut rattraper un peu le coup, quoi. Comme ça. Je pense que ça le fait. Alors, zut, ah, si j'ai besoin de ça, pour la traversée, on met un bloc, tac, donc un zwei dry, un zwei dry, un zwei dry, et là on est censé tomber ici, plus là, pof, voilà, donc tac. Z, je crois que j'ai poussé la courbe à son extrême. Si on rajoute des carpettes. Ah, ah oui, quelqu'un avait proposé de... Quelqu'un avait proposé... de la planche de la neige. Mais oui, avec en plus, oui, de la carpette. Bah oui, la neige, c'est... le problème, ouais, puis... c'est qu'on éclaire sur la fond. Et du coup, ça fait le parapet dans sa continuité presque complète. Ouais, je valide. Pas le bloc, hein, le bloc de neige, ils font pas normalement. Si on met pas de torche. Si on met pas de torche. Non, par contre, c'est pas un bloc de neige. C'est des couches de neige qui vous laissent. Ouais, c'est une couche de neige. Ouais. Et ça, je sais pas comment on peut le crafter, ça. Oui. Oh, c'est génial, tu vas faire plein de... Ah, oh, c'est super la neige. Avec 6 blocs de neige, tu mets 6 blocs de neige par exemple, et hop, ça te donne des plaques de neige. Je crois que c'est 3. Ah, c'est 3. Comme une dalle en fait. Ouais, c'est 3 en bas. D'accord. Ah, ok. Ok, Doc. Bon, tu peux rajouter les couches. Eh ben, c'est bon à savoir ça. Je pensais que c'était forcément parce qu'il neigeait qu'on avait ces trucs là. Non, non, tu peux les crafter. Là. Ah, cool. Par contre, oui, faut pas mettre de torche à côté, par contre, parce que là... Ouais, bah là, ça fond. Ça fond. Ainsi, fond. Ouais, bon, c'est nul. Oh là là. Ouais, je sors. Un peu siphonné, hein. Ouais, c'est dimanche, et... C'est dimanche tout ça quoi. Pip.
quel climat en Franche-Comté? Il est rude, hein? Tu m'étonnes. Ouais. Allez, on a quand même des journées à moins 10. Le lendemain, hop, 10 degrés. Il fait le pifou. Il va me bannir. Il va me kicker. Donc, eh ben, c'est pas mal ça. Il n'y a plus qu'à creuser. Donc là, 1, 2, 3. Bon, après, c'est. J'allais dire c'est la Chine, mais. Oui, non, c'est la Chine du Nord. Il doit. Le climat, il doit être assez rude, mine de rien. Probablement. J'ai jamais regardé le climat qu'il pouvait faire à Pékin. Bah. Je crois que c'est pas terrible, hein. C'est assez. C'est rude, hein. Ouais. C'est assez froid, ouais. Oui, c'est près des steppes de Mongolie. C'est déjà pas terrible, la Mongolie, alors Pékin. C'est quand même bien. Ouais, vous avez vu que je l'ai déplacé. J'ai craqué. J'ai été obligé de me balader partout avec un beacon maintenant parce que je peux plus faire sans. C'est ça. Une fois qu'on y a goûté, on peut plus s'en passer. Vous m'avez perverti. J'étais pur. On essaie de te pervertir à l'usine Underman, mais apparemment ça coince encore, hein. Parce que franchement, pour l'XP, je crois qu'il n'y a pas mieux. Bah, je crois que je vais craquer. Et on peut en faire sans redstone, il n'y a pas besoin de piston. J'ai passé, voilà. J'ai passé un moment au spawner à squelette ce matin et. Ah, c'est long quand même. Ouais, c'est long. Hein. Ah, allez, c'est une bonne usine Underman, là ça dépoterait, hein. Non, pas très RP. Bah ouais, c'est ça. Ne me tentez pas de me tenter. Bah, de toute façon, l'End, c'est pas dans notre monde, alors on s'en moque, hein. On est dans une autre dimension, voilà. Non, mais ça fait plus après les temps modernes, quoi, vu la capacité du truc, quoi. Alors que nous, on est encore à l'artisanat, on est au 15e siècle. Bon, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, comme... Paraît même qu'il y a des ailes dans l'End. T'as déjà entendu parler ça, Zed? Des quoi? Des ailes. Des élytras, par exemple. Des élytres. Ouais, c'est vrai. Il paraît, ouais. Et des boîtes à chulquer. Des boîtes à chulquer. J'ai du bon tabac. Ouais, cache-toi, Skyra. Ah, je vais peut-être taper un petit peu dedans. C'est pas vrai qu'il fait déjà nuit. Tu me diras, des journées de 10 minutes, tu trouves ça RP, toi? Oh, puis en plus, je casse des torches. Vache, on va dormir parce que c'est plus du tout éclairé dans le coin, là. Ah, alors, on nous dit qu'il fait actuellement moins 1 à Pékin. Ouais, il fait assez aussi froid que dans la Franche-Comté, quoi. Bah, si on compare à hier, il fait meilleur. T'as jour à l'autre. Hein? C'est l'hiver, printemps. Voilà. Oh, là, ça va pas arrêter d'augmenter, là, apparemment. Oh, de l'andésite. Mais pourquoi j'ai autant d'andésite, là? Tout le terrain, c'est de l'andésite? C'est quoi, ce beans? C'est comme les... Hier, on a été dans une mine abandonnée. On est resté quoi? Une demi-heure dedans? Oh, oui, une bonne heure. Moi, je dirais un peu plus. Moi, je dirais une heure. Et j'ai ramené presque 5 stacks de fer.
C'est la première fois que j'en voyais autant. C'est vrai qu'il y avait des gros filons. Du coup, non, ça, la police, je vais la garder. On était tout le temps, vous étiez tout le temps en train de m'attendre, en plus, puisque du coup, je tapais tous les, je tapais tous les filons. Salut, Parque. Bon, puis on s'est un peu fait peur avec les bestioles. Mais ça, c'est un peu classique maintenant. Hein. Ah, avant de redescendre, j'aurais dû aller chercher de la roche. Bah maintenant ils sont en groupe, hein, les creepers. Il y en a plus un tout seul dans un coin. Hein, ils sont 3 ou 4 ensemble. Ah, ils sont, ils se regroupent. Ils deviennent intelligents, ça fait peur. Ouais, je vais là-bas. Je sais pas s'il avait mis de la cobble au four, le Nico. Non, il n'y a pas de four. Mais tu dois avoir de la pierre dans les... dans les coffres. Non, on a tout mangé. Ah si, il en reste encore là. Allez, je récupère tout. Enfin, tout ce que je peux prendre dans l'inventaire. Du coup, c'est pas très futé parce que j'ai un inventaire plein. Je vais aller poster là. Hop, hop. Oh, voilà la miscro. Oula, quand ça met ce temps-là pour arriver... Ah, moi j'ai 5 barres pourtant, c'est scro qu'on a qu'une. Je vais prévenir. Hop. Qu'est-ce que t'as à faire là? Ouais, dans les virages, hein. Efficacité 5 quand elle se déclenche. Donc là, tac 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 tac. C'est tout le chiffre 3 aujourd'hui, hein. Le Inside Rail. Escalier, dalounette. Donc tac 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 tac. Non, j'en mets pas au milieu. Il faudrait que tu nous le fasses en chinois. 1, 2, 3. Ah oui, avec l'accent... Ça serait bien, ça. Je les avais appris, les chiffres chinois, mais... Le problème, pour la prononciation du chinois, c'est les... c'est l'accent tonique. Où, en fait, il y a 5 accents. Accent montant... descendant montant. Accent montant, accent descendant, un accent linéaire. Et puis pas d'accent, donc ça fait 5. Et donc une syllabe prononcée avec les 5 accents veut dire en fait à 5 significations différentes. Et en fait plus que 5 parce qu'il y a des synonymes. C'est quelque chose qui se prononce de la même façon peut vouloir dire la même chose. Par exemple, woman, qui est la porte du midi. Le wu, alors le wu, c'est descendant montant. Ça veut dire midi, sud, et ça veut dire aussi 5, je crois. Donc selon le il faut avoir le contexte en fait pour connaître la signification du mot chinois. Si tu le vois écrit, par contre, si tu le vois écrit, là c'est plus clair puisque c'est bien. C'est nous, bien, c'est pareil, c'est avec vert, vert, vert. Des caractères différents. Oui, on a la même chose, quoi. Sauf que, eux, comme c'est des mots syllabiques, une syllabe veut dire quelque chose, et il y a beaucoup plus de synonymes, en fait. C'est ça que je voulais dire. Ça,
ça plus la prononciation, donc c'est le grand truc classique des occidentaux qui apprennent le chinois et qui se trompent dans la prononciation et qui veulent dire qui disent complètement la des choses différentes quoi. Défi pour le prochain live, ouais. Comptez jusqu'à 3 en chinois. Bon, ça devrait pouvoir le faire. On essayera. C'est pas un gros défi, comptez jusqu'à 3. On essayera d'aller jusqu'à 5. Allez. C'est alors, bien. Moi je veux bien relever le défi, c'est écrire les idéogrammes chinois de 1 jusqu'à 3. Parce qu'en fait. De 1 jusqu'à 3, c'est assez simple. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah ben, je vais prendre du truc. Donc le caractère chinois pour 1, c'est un trait horizontal. Un petit trait horizontal, comme ça. Le caractère chinois pour 2, c'est... Alors, hop. C'est deux petits traits horizontaux. Et je vais pas réussir à faire le 3, parce que le 3, ben, c'est trois traits horizontaux. Voilà. Ah là où ça se corse après c'est pour au-delà de 3 parce que là après on tombe dans les caractères chinois plus traditionnels. Ah j'étais jusqu'en bas. Bon tant pis. Alors en bas j'avais dit que je mettrais de la terre. Mélange terre-gravier. Sinon moi pour les barrières je vais être en kikini hein. Ah oui avec les barrières et oui. Bah tu sais quoi dans ce coin là on met que des barrières hein. On met pas de ou alors je mets des portillons quand je peux et je mets que des barrières quand, ouais. Quand ça coince voilà quand t'as 3 tu mets des portillons parce que là tout le truc tu vas pas pouvoir ouais. Par contre faut laisser un petit ah bah non il y a qu'à ouvrir un portillon ouais je suis bête pour descendre. Oh, c'est trop pratique. Eh. Trop pratique. Qu'est-ce que je suis venu chercher? Je vais prendre de la terre. Bon, j'ai remis de la roche dans le coffre roche. Ok. Merci. Est-ce qu'il me reste du gravillon là? Non, c'est de l'andésite. Bon, on peut mettre de l'andésite aussi, mais. C'est peut-être plus naturel un fond de. Un fond de truc en gravillon quoi. Ouais, en gravillon. Le fond de la rivière? Le fond de la rivière, oui. Ouais. Ça c'est la couche qui va être remplacée par... Bon après ça faudra taper dedans. Alors on fait des petits... comme tout à l'heure, du fou aléatoire. La nuit est en train de tomber là, qui fait tout soudainement tout noir. Yep, oui. Salut Oukari. Bon bah je vais dormir dans le lit de la rivière. Ah ah ah. Oh. Très joli.
Ouais, bah, faut que j'aille aussi par là, donc hop. Oula, le blanc, on l'enlève. D'un coup c'est tout doucement là. Comme si la vélocité marchait plus. Enfin pas vélocité, célérité. Tiens alors on va laisser un peu dans des hits. Alors hop. J'ai pas enlevé. Et voilà, j'ai enlevé ça comme une brute. Pourquoi j'arrive pas à le récupérer? Parce que je suis quasiment plein. Pop. Un petit peu plus de terre que de gravier, je trouve que ça fera plus réaliste. Encore de la terre. Hop. On va le mettre en eau après. Ah, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. J'ai plus de gravier. Il y a un coffre du map là. C'est à côté de la porte. Y en avoir là, je pense. Bon, j'en ai plus en 6. Alors, je vais mettre ma. Oh, si j'en avais, zut. L'andésite. Ça, c'est toute la roche. Donc, je vais la garder. De la pierre. Oh, ça, c'est plein. Donc dans les divers ici, ouais, il y a du gravier. Allez, je prends tout ce qu'il y a. Là, c'est encore de la roche, de la pierre taillée. Bonjour le mélange, hein. Mmh. C'est marrant le groupe de kobolds qui réapparaît ici. Bon, là ça fait un peu trop. Ouais, bah, c'est nickel. On va récupérer la torche. Donc on va faire une frontière nette ici. Alors là on est censé. Question de base, comment je vais faire pour remonter? Bon, on va refaire un escalier. Enfin, un escalier. Du coup, là, je vais retaper un peu dedans. Et hop, allez, c'est reparti. Ah, il y avait du charbon là.
j'ai laissé un truc de... À la limite, on le verrait pas, je pense. Hein. Pourquoi ça, je peux pas le récupérer? C'est bon. On va aller de l'autre côté pour voir si on l'a fermé correctement. Ouais, on va dire que c'est bon. Ah, ça a verdi. Vous pouvez m'expliquer pourquoi ça verdit ici? T'inquiète pas, quand il y aura l'eau, ça va déverdir, ça va devenir de la terre. T'es sûr? À condition qu'il n'y ait pas de lumière. Hein. Ouais, parce que je crois bien que ça reste en fait. Enfin, moi j'en ai. Oui, sauf si. Mais il faut pas que t'aies de torche à côté en fait. Ça peut faire un petit effet moisissure. Ça peut être sympa. Lichen! Algues! Ouais. Mais là, pour moi, tes lumières, elles sont trop hautes. Hein. Je pense que ça va effectivement redevenir brun. Ça va reverdir? Ça va redevenir de la dirt, je pense. Ah ouais, ok. Par contre, il faut que je... Parce que tes torches, elles sont moins à plus de 3 blocs, là, ouais. Ouais, elles sont à plus de 3 blocs. Il y aura pas de torches... Ah, normalement, ça devrait... Normalement, ça devrait se transformer en dirt, alors. Ok. Parce que c'est la rivière aux eaux de aux eaux d'or. C'est imprononçable ce truc. Rivière aux eaux d'or. Il faut pas que ça soit. Par où je vais commencer? Par là. Top, top. On va se faire une petite. Pouf. Source infinie. Ça serait quand même pas mal que la dynamique de l'eau... Enfin, je pense que ça serait trop compliqué qu'il fasse un modèle réaliste de la flotte. Ah mais c'est parti pour là. Non, c'est pas vrai. Enfin, j'avais vu une vidéo d'Aurélien Sama où en fait... Ouais, ils ont changé la data value. Ils ont changé la data value et tu te retrouves avec des blocs en fait... Il n'y a plus propagation de l'eau, mais du coup t'as plus de blocs d'eau en dessous quand tu remplis... Enfin, il faisait une démonstration d'un remplissage de bassin, je crois. Où en fait, il mettait de l'eau que dans la partie la surface, quoi. Et en fait, il y avait Plus en dessous ? Ouais, pas en dessous. Et en dessous, donc, au niveau visuel, ça paraissait comme de l'eau. Mais en... Ah, le sky... Le Skyrail est parti à tout creuser. Moi je remplis de flotte. Il faut qu'on se matte un barrage là. Oui, c'est déjà fait. J'ai tout prévu, Coco. mais moi je vais pas aller jusque là-bas. Hein. Allez. Ah bah je le ferai. Ah, il est en folie, Skyra. Quand il est en folie, faut le laisser. Faut attendre la fin de la crise. Non, s'il est vraiment trop en crise, après faut le calmer un peu, mais ça faut le laisser. Ouais, il se calme tout seul. Il se calme tout seul au bout d'un moment. Ah, quand ouais, même. T'as des solutions radicales. Hein. Couper le serveur. Alors normalement, là, ça devrait être bon partout. Donc on va faire la deuxième couche. Ouais, Michel, j'ai pas fini les. Mais en fait, j'ai pas fini parce que tout à l'heure, ça devait s'arrêter ici, au dernier pont. Mais bon, pour ce qui est pas du côté des ponts, je pense qu'on va tricher un petit peu. Faut pas le dire trop fort. Voilà. Zut, j'en ai caché un. Oh là là, l'efficacité 5, c'est horrible. Je peux pas le récupérer, ça. Durite poly. Allez, je vais polir celle-là.
et jeter l'autre. Je vais pas pouvoir remonter du coup. On peut pas poser de lit dans l'eau. Non. Non. Pas encore. Dans la 1.13 en courant. On peut pas dormir dans l'eau. Pas. Et si on est une sirène? Je sais pas si c'est un scaphandre, peut-être. Ah bah, je vois pas pourquoi il y aurait pas de sirène, il y a des tortues, il y a... Des tritons, hein. Ah, par contre, apparemment, ils annoncent un mob hostile aussi, hein. Dans l'eau? Dans les airs? Non, non, dans l'eau aussi, a priori. La carpe feuille mutante. Ah ouais, ils en ont pas parlé de ça, c'est... Ouais. C'est vrai que ça serait bien parce que avec tous les ajouts qu'ils font, c'est bien, mais quelque part tu vas un peu t'ennuyer au bout d'un moment, quoi. Ouais. S'il n'y a pas un peu de danger, quoi. Ah, ouais, ah. C'est vrai que s'il n'y avait pas de creeper, on s'ennuierait. Hein. Ouais, m'en parle pas. J'ai eu des histoires avec les creepers récentes. Mais pas encore pas. Quand t'étais dans le tunnel, ce qu'il y a, c'est que tu utilisais une potion de vision de nuit. Dans le tunnel. Ton LP. Non. Non. Ah, c'est pas... mon live là que j'ai fait vendredi. Ouais. Ça me semble très lumineux. J'ai regardé la rediff, j'étais pas là quand tu l'as livré. Non. C'est la non, parce qu'en plus, la nuit, j'avais bien à l'extérieur. Bon, après, je torchais bien aussi. Hein. Non, puis attends, je rate si j'ai un ressource pack. Mais... Parce qu'à un moment, comme il y avait les bestioles qui arrivaient, je me disais, ah bah ouais, mais si. Non, j'avais juste la luminosité à fond, puis peut-être qu'OBS, tu sais, j'ai peut-être monté un peu le gamma aussi. Enfin, baissé plutôt le gamma. C'est vrai que les murs, je vais peut-être les faire. Je vais peut-être pas trop tarder pour les faire parce qu'après, quand il y aura la flotte. Bon, ça fait des sources qui coulent. Non, mais bon, avec les creepers, tu verras, c'était pas en live. Mais. J'ai pas. C'est dans le dernier épisode parce que je l'ai pas vu. Non, c'est dans celui que je suis en train de monter. Ah, ok. Spoil alert. Ils sont en groupe. Ah bah voilà. Lui il avait pas besoin d'être en groupe, je te le dis, hein, c'était. Mais c'est vrai que je pense que c'est lié à la difficulté de la map, non, quand ils spawnent plus en groupe au bout d'un moment. Et il y avait quelqu'un qui disait quand tu restes longtemps au même endroit, en fait ouais. la difficulté augmente. Et, oui, c'est ça. Ils sont donc quand c'est pas les creepers, mais les squelettes et autres, ils sont mieux armés. Ils ont des. Ah bah moi, ils ont presque tous des arcs enchantes maintenant mes squelettes là sur mon spawn. Ah ouais. C'est parce que on reste trop longtemps au même endroit en fait et donc. Et ce que je sais pas, si c'est juste ça fonctionne par chunk ou c'est toute la map. C'est-à-dire c'est vraiment local là cette histoire? Bah je sais pas. Quand on fait F3, on a local difficulty. Tu vois local difficulty. Là je suis en 3.19. Ouais. Alors // ouais. 0.59. Ça je sais pas ce que ça veut dire. Ouais. Et si je me déplace. Je suis en 3.75. Ah, si je me déplace, je reste toujours à... Toujours à 3.19. Donc ça doit être un local étendu, je pense. Hein. Ouais. Ouais, parce que je crois que tu peux même avoir des zombies, tu sais, stuffé en diam, c'est tout, après. Hein. Bah, moi, j'ai eu un squelette Donc au spawner à squelette. Où je fais des AFK 2h, 3h quoi. Et maintenant j'ai des squelettes stuffés en diams, ouais. Alors ils lootent pas le diams, hein. Les cochons de. Non. Je peux te contredire, j'ai tué un zombie et j'ai récupéré le plastron en diams. Et vraiment, ah ouais, mais t'as un pourcentage quoi, ouais. Pour,
Ouais, ça doit, il faut doit avoir une looting 3 ou puis ouais. Un truc. Ouais, tu dois avoir un faible pourcentage. Ouais, ouais, ouais mais lui il est chanceux alors. Hein, bon. La, le désespoir. Oui, c'est mon désespoir de chat. Monsieur. ouais, parce qu'il vu comme je galère déjà avec les têtes de wizard, moi, c'est pas moi que ça va arriver. Moi, le pire, c'est à la pêche. Ah ouais? J'ai arrêté de pêcher hein, sur Minecraft. Bon, ben voilà, on l'a. Hop, je repasse. Ah, du coup, ici, on le voit pas. Ça ramasse un peu plus les ponts. Ah, là, c'est pas. Ah zut, j'ai oublié qu'il fallait que je remonte après. Ah bah ouais. Bon, je vais refermer. Et puis je refais le tour. Tiens. Bah non mais attends, reviens, t'as pas fini hein. Pourquoi il en reste? Ah ok, ouais. Bon bah je repasse alors. Ouais, de l'autre côté, puis comme ça tu remontes sur l'échafaudage. Ah oui, ici, ok. Et encore celui d'après. Ah, et là j'ai un coup de lag parce que ça se met pas à jour. Ah, c'est... il doit y en avoir en bas en fait. Ah, c'est pénible ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est... En fait, si t'as un trou en dessous, sur la couche en dessous, tu le vois pas. Et le fait de corriger... Voilà, et... ça met pas à jour automatiquement au-dessus. Parce qu'en fait, il doit rester... Voilà, il doit rester un... Voilà, c'est ça. Là, il n'y avait pas d'eau. Sur la partie en dessous. Hop. Ouais. Hop. Et c'est une bonne idée, les petits portillons. Ah, là, ça n'a pas été... pas fini, fini. Est-ce que j'ai... Ouais... Oh là là... Les petits coups de lag. Combien je suis? 2 barres. Je regarde image perdue. Non, j'ai pas d'image perdue. Tout a l'air d'être ok. Non, c'est 2, hein, je crois. Ouais, ça va au niveau de ton lag. C'est juste j'ai des trucs bizarres entre le client et le serveur quoi. Hop. Bon ben Hop. Ben, je trouve que on a pas trop mal bossé. Et du coup, eh bien, on a nos 5 ponts. Donc on voit mieux là, au live précédent, on parlait de la forme en arc de cercle, en arc mongol. Et on voit bien cette forme de branche recourbée. Donc là, il faut pencher la tête vers la gauche pour voir comme un arc. Et la flèche sera dirigée vers la porte du midi. Bon bah faut se faire le... Maintenant faut se faire la suite. Hein. Donc il faut qu'on creuse. Donc pareil, même système, jusqu'à la sortie de cette place. Donc l'eau elle va passer sous des... ici au niveau des plateformes qui recueillent les portes et les pavillons qui entourent toute la cour. Un peu sous le même principe hein, que les bâtiments qu'on a fait pour la porte du midi. Sauf que là ça va s'étendre donc sur la partie ouest, sur la partie nord et sur la partie est. Donc on a deux portes latérales qui permettent d'accéder au bâtiment annexe et puis une porte centrale au nord qui est la porte de l'harmonie suprême qui permet d'accéder à la cour de l'harmonie suprême. Voilà, voilà, ils sont, c'est un petit peu compliqué. À force de baigner dedans, on commence à arriver à s'en sortir. Mais au départ,
elle est un peu compliquée, leur structure de... Bon, ici, on a en interne... On va faire une petite voûte basse. Dans ce style-là. Ça, je vais l'enlever, on n'a plus besoin. Et là, on passera donc sous la plateforme et sous des pavillons. Par contre, il faut que je garde... Ici, on a une des portes qui permettent d'accéder à cette partie de la cité interdite. Alors, la partie ouest, là où le soleil se couche, c'était militaire. C'était les militaires qui étaient installés là. Et la partie est, c'était plutôt les intellectuels. Puisque c'est là-bas qu'il y avait les pavillons de la littérature et tout ça. Alors que là, c'était les pavillons de la prouesse militaire et tout ça. Et ça suit les principes du... Attention, 1, 2, 3... Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui. Allez, hop. Ah, je suis plus... J'ai plus le beacon. Oh bah, je croise pas. Ça fait penser un peu au... Tu sais, au nombre d'or, là, dans l'Antiquité aussi. Ouais. Je trouve là le Feng Shui. Après, le nombre d'or, il y a une... Comment dire ? C'est vrai que esthétiquement, les rectangles que tu fais... qui suivent cette proportion, ils sont beaux, quoi. Enfin, ça fait une belle proportion entre la longueur et la largeur. Alors que le Feng Shui, c'est plus des règles... De bien-être, non ? Ouais, de bien-être, mais c'est assez symbolique, ouais. Quoi. Philosophie, confucianisme, ouais. Tout ça, quoi. Je pense que là, il faut y croire pour... c'est pas le... Donc un effet de ouais, perspective t'as pas d'armes, de l'œil. En fait, Donc là, on va avoir une petite gros grotte. Ça, c'est Rolwi qui déteint. À son pépère. La gros grotte à son pépère. C'est la gros grotte. Non, mais ça, c'est celle qui part vers. Non, c'est celle qu'on a fait le hier. Non, avant-hier, celle-là. C'est, ouais, pas celle c'est pas celle d'hier, je pense pas. Après, celle qui était à ciel ouvert, là. Où c'est qu'il y avait la faille. Ben, si on y rentrait par un truc par là et... Ah, et c'est là après que... Mais non, parce que celle... Si, ah non, il est fermé la faille d'hier. Ah oui, on est rentré par là et ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas retrouvé ce chemin-là pour ressortir et on a fait une sortie sauvage. Escalier en colimaçon. Ah ouais, le... Oui, il est... Ah ouais. Ouais, parce que quand je suis sorti, il y avait un creeper qui m'attendait. Et j'avais pas fait gaffe que mes cœurs avaient descendu. Et donc je sors comme un béné, il y avait un creeper juste derrière. Il arrive, pchit, bah, et pouf, mort. Donc le Skyray, il m'a récupéré tout mon... Gentiment tout mon stuff. Tout ton fer, miné. Oh, ah. Ça arrive pas souvent, ça. Salut Magic Sam. Oui, puis heureusement on était à deux, quoi, comme ça il a pu vraiment tout récupérer. Il a pu vraiment tout récupérer. Alors on creuse à combien? Un, zwei, drei. Ah, on peut pas savoir à combien on creuse parce que ça dépasse 3. 61 je crois qu'il faut. C'est 4. Donc 1, 2, 3, 4, c'est jusque là, ouais. Et un de plus pour mettre la couche de... Mettre la couche de terre. Alors quand on regarde les vues satellites, cette rivière, elle se resserre un petit peu. Elle a pas l'air de faire la largeur... Une largeur partout pareille. Hop ça. Donc c'est pour ça que là, j'ai mis 5. Bon, moi sur ce, moi je vais vous laisser, je vais aller faire la cuisine. Ah ouais, 19h. Voilà. Ah,
presque 3 heures de live, mine de rien. Bah, on va pas trop tarder non plus. L'empereur fait la cuisine aussi? Non, pas, pas ce soir. Pas ce soir. On va manger des restes. Bien, merci et bienvenue, Gère Noir. Excuse-moi. Ah, j'ai pas vu qu'il partait, ce con. Non, c'est moi qui pars. Je lui dis au revoir. Ah, ok. Mais... Comme okay. Je vais le voir ce soir, à tous les coups, je lui dis à plus. Parce que c'est l'équipe de nuit. L'équipe de nuit, ouais. C'est l'équipe de nuit, ce con. Il dit tout seul, il fait l'équipe de nuit. Voilà. Bon, moi, je vous laisse. Amusez-vous bien et puis bonne fin de soirée. Ouais, et bah toi voilà. Aussi. Salut. Et puis salut le live. Voilà, salut les les viewers. Eh bien, Lynn te dit bon appétit. Ouais, ça fera pas mal, Gère Noir. Ah, y a Jig qui est parti aussi que j'avais pas vu. Ah oui, un de plus, c'était pour le suivi. Excuse-moi. Ouais, non, Modo. C'est tout bon, je te remercie. Mine de rien, c'est assez long. Hein. Alors, pour finir, on va faire un petit peu de mathématiques. Je te laisse. Non, mais j'ai lu dans la presse il y a pas longtemps un ancien ministre de l'éducation qui avait dit que les maths ça servait à rien. Ah mais bravo. Si là, oui, je citerai pas son nom. Là j'ai 7 de largeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Là je suis avec un angle de 45 degrés. Hein, on voit que les blocs ils sont en escalier comme ça. Combien je dois avoir de blocs ici pour que j'ai la même largeur qu'ici, donc 7. C'est-à-dire je veux 7 blocs. Mais je veux 7 blocs de ce côté-là à ce côté-là. Pas à la diagonale. Si je mets 7 blocs, je vais prendre quoi? Tiens, je vais prendre ça. Si je mets 7... là, qu'est-ce que je fais? Si je mets 7 blocs comme ça, bout à bout... Je vais pas avoir une longueur de 7. 1, 2, 3. Là par exemple, j'en ai mis 3. J'ai déjà plus que 3. Puisque ça, c'est plus petit que ça. Alors il y a une règle toute bête. Pour savoir de combien on doit faire la largeur de. Enfin toute bête. En fait, pour savoir le nombre de blocs qu'il faut. Il faut diviser, donc de blocs en comptant la diagonale, il faut diviser par la racine carrée de 2, 7. Alors racine carrée de 2, pour simplifier, c'est 1,5. En réalité, c'est 1,414, quelque chose comme ça, mais si on divise par 1,5, c'est bon. Alors pour diviser par 1,5, il suffit de multiplier par 2 et diviser par 3. Donc 7 multiplié par 2, ça fait 14, divisé par 3, mettons que ça fait 15, ça fait presque 5. Donc si on a 1, 2, 3, 4, 5 blocs, on a la même largeur de ce point-là à ce point-là que ici, où on a 7 blocs d'ici à ici. Voilà, bon, j'ai perdu tout le live là. Tu m'as perdu aussi. Ouais, j'avoue. Hein. Oh. Bon, j'essaierai de la refaire. J'essaierai de la refaire. J'excuse, j'étais en littéraire. Donc, d'ici à ici, on a 7 en fait. On a presque 7. Donc, ça veut dire que si on casse comme ça, là, hop, on a la bonne largeur en fait. Voilà à quoi. Donc là, on peut taper comme ça. Et on peut vérifier. Vérifier par le haut.
Hein, ici, on aura à peu près la même largeur. Donc là, on voit que c'était pas assez serré. En fait. C'est trop serré là. Un petit peu au-dessus. Alors, je regarde si le nombre de spectateurs a baissé. Après, faut arrondir un peu. Hein. On est dans Minecraft, donc on fait beaucoup de choses à l'œil aussi. Hein. Moi, j'ai déjà fait la règle de croix, c'est déjà ça. La règle de croix. Ah, la donc en gros, si. Pardon. Ouais. La proportionnelle, la règle de 3, je pense. Oui, genre par exemple. Enfin, moi je dis ça pour faire. Quand je fais des bâtiments qui sont pas. Un bloc est égal à 1 mètre. Je mets par exemple. J'imprime mon petit plan, tu vois. Et je dis par exemple 1 cm c'est égal temps dans la réalité. Et ensuite en dessous je mets. Le nombre de cubes que je veux que ça fasse dans Minecraft. Et ensuite je mets une autre mesure, quoi, tu vois, c'est. Non, tu vas pas. oui, si, c'est... oui, tu fais une mise à l'échelle. Oui, bon, on fait tous ça, on le pratique tous aussi. En gros, si j'ai bien compris, tu divises par 1,5 pour avoir la diagonale. C'est ouais, ça c'est ça. Donc 7 divisé par 1,5, ça fait presque 5. Qu'est-ce que je vais jeter qui me sert pas? Hop. Granit. Là, par contre, il va peut-être falloir se ménager une petite échappatoire. J'aurais peut-être pas dû la faire de ce côté-là. Il va falloir faire tout le soutènement, ça va être un sacré boulot, ça, hein, mine de rien aussi. Alors Michel écrit forte augmentation de consommation d'aspirine. Oh, j'ai jamais le crâne. Oh bah, je suis désolé. Ça ne comprend pas la vie, allez hop. On a perdu aussi Milka X31. Mais pourquoi j'ai toujours masse? Bon, je pense que la diorite poly, on va plus trop en avoir besoin. Ça, je jette aussi. Oh, la roche. Non, la roche, j'en ai besoin. De la pierre taillée. Je prends. Oh, encore de la roche. Les planches de bouleau, j'en ai plus besoin. Hop! C'est que parce que là j'ai 1, 2, 3 et il faut encore bien taper dedans, hein, mine de rien. Ah, c'est là que je récupère toute l'andésite. Hop, oh bah, pas gêné toi. Le poulet, il me balance son œuf là. Après, moi, je voulais faire un nettoyage, hein, t'as pas voulu. Hein. Alors là. On va chercher. Ouais. Non, quoique là-haut. Ouais, je vais respecter la trace de là-haut. Il dit, ouais, hypoténuse, c'est ça. Ouais. En fait, c'est le théorème de d'Archimède. Non. J'en sais rien. Qui dit que la somme des côtés d'un triangle rectangle, la somme au carré, la somme des carrés des côtés est égale au carré d'hypoténuse. Pythagore. Ah, c'est Pythagore.
Non, Archimède, c'est le mec dans sa baignoire avec son savon. Oui. Oui, oui. Et donc là, j'arrive... Ah non, attends. Attends. Pas bon. J'arrive à 5. Où est-ce qu'on... Ah, c'est le problème. Après, les maths, tu sais les appliquer, mais alors les définitions, les trucs, tout ça, tu... Tac. Tu t'as oublié un petit peu les noms et tout ça, quoi. Le nom des théorèmes, des... Ah ouais, c'est sûr. Quand tu... au bout d'un certain temps. Ouais, parce que là, normalement, on devrait être... En fait, ici. Du coup, faut monter ta route. Mais après, là... Là, on avait dit c'était 5 blocs hein, à la sortie ici. Donc je vais refaire, mais bah, je vais faire de la cobble. Non, donc c'est justement pas là. C'est ici. 1, 2, 3. Ouais, bah là, on est carrément pas. On est à 4 blocs là. On casse tout! Ouais, j'ai dû faire ma mesure ici. Ouais, t'as été un petit peu vite. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici c'est bon. Ici par contre, bah, ce que je peux faire c'est casser de l'autre côté. Hein. Oh, non, tu le laisses ça. Là ça fait 1, 2, 3, 4 et on casse ce pan là. Ok. Là, il faut les rejoindre le truc là-bas, donc là on vise avec la pelle et hop, voilà, comme ça c'est bon, on casse ces machins là. Par contre, oh oui, alors ça veut dire que ça, on le casse. Oh le cochon. C'est dommage que tu sois venu ici parce que là tu vas avoir du mal à la remonter. Hein. Bah, sauf si tu trouves la sortie qui est là-bas, mais là j'ai un doute. Faut pas croire, les cochons sont très intelligents. Ah ouais, c'est de l'intelligence artificielle. Oh, c'est pas vrai. Mais c'est vraiment pas possible. Bah, il allait pas remonter, alors entre mourir noyé et mourir cuit, ben... Bah... Ouais, mais il serait mort de sa belle mort. C'est la loi de la jungle. Bon, là, j'ai mon machin qui est plein. Qu'est-ce que tu me... Il balance des œufs maintenant. Allez, je vais manger un bout. Je vais stocker ça là-bas. J'aurais dû remettre le vitesse quand même, mine de rien. Ça aurait permis de gagner un... Alors le problème après c'est quand on marche pour faire du travail de précision. Je suis pas forcément trop fan. Terre. Ouais. Quoique de la terre, j'en aurais besoin d'un petit peu. Faut pas que je jette tout. Salut Redudul. Bon ben, pour la suite, eh ben, on va faire le mur en pierre taillée, comme on a déjà fait tout à l'heure. On va le faire jusque là-bas, jusqu'à la sortie. L'autre, de l'autre côté, c'est complètement parallèle. Ben, on voit un peu sur Journée Map. Hein.
On voit bien le dessin de l'arc. Hop, là ça remonte comme ça. Ah oui, t'as fait les deux côtés et on n'a pas vérifié qu'on avait la bonne largeur. Ici. Et à la fin, voilà, on arrive. Oula, t'as carrément fait l'écluse. Oula, c'est du sérieux. Hein. Toujours. Ah, comme ça, on va... ouais, on mettra le, on fera le mur de soutènement, on mettra en eau après. Donc là, on est dans la partie, ben, on voit ici dessiner le... les pavillons qui entourent la cour. Donc là, ça sera en souterrain. Et puis là, ça ressort ici et ça repart dans le reste de la cité interdite. Mine de rien, on a encore pas mal de boulot sur cette petite cour intérieure, et on n'en parle pas de la cité interdite. Hein. Bon, on a déjà fait les 5 ponts. C'est pas mal du tout. Moi, je dis que c'est pas mal du tout. Ça avance bien. D'un bon rythme. Oh, la douche céleste. Le mandat céleste. Voilà, il n'est pas emprunt pour rien. Bah, c'est pas mal du tout. Alors, quand on aura les, quand on aura fait tous les pavillons de la... tous les pavillons de la cour, là, malgré la réduction de la réduction d'échelle, mais je pense que ça va faire du bien, la réduction d'échelle, parce que quand les bâtiments sont trop loin, du coup ça fait moins impressionnant, quoi. T'as moins l'impression d'être écrasé. Oui. Alors que je pense que quand t'es dans la cité interdite, bon, même si les bâtiments sont pas haut au niveau, ils sont pas impressionnants, là, c'est la grandeur du lieu qui fait que tu dois être... Alors après, t'as vu les photos, hein, pour le visiter, la grandeur du lieu, quand t'as 50 000 personnes qui, sur la place, qui visitent en même temps que toi... Oui, là, c'est... Ça remplit vite, hein. Oui, on va faire dodo, mon petit scroll. Ouais, ouais, je retrouve mon lit. Il va falloir que je me refasse un lit doré. tu veux pas attendre au pavillon. Et non, pas, non, réduis-le, pas de world edit, tout à la mano, en survie, difficile en plus. Il y a les, bon, pour les trous, il y a les creepers qui nous aident du coup. Et au niveau, bah, on peut revoir, au niveau terrassement, il nous reste un bon bout à l'ouest. Hein. C'est là où il y avait la jungle qu'on a brûlé dans je ne sais plus quel live, hein, il n'y a pas très très longtemps. Mais toute la partie... Ah non, toute la partie est, il y a encore ça, il y a encore des... ouais, il y a encore des montagnes là-bas. Ah bah on les voit. J'ai pas pu regarder celui-là de live. Le serveur a tenu ? Ouais, ouais, il a tenu. Ouais, ouais, les TPS sont bien restés stables. Ouais. Mmh. Ouais, moi, je... au début, j'avais, comme j'ai World Guard pour protéger du... justement des incendies, j'avais fait qu'un petit... que des petites régions que j'ai agrandies au fur et à mesure. Et à la fin, la région était immense et ça a tenu le coup, quoi. Quelques petits lags, mais... Ah ok, Redudule, c'est sûr. Soit tu me l'avais déjà dit. Après, faut que je mémorise. Donc là, on a une belle tranche de montagne. Et puis là, on a une espèce de pic, un espèce de pic en terre. Oh, celui-là, il va vite disparaître. Hein. Avec de l'efficacité 5, il n'y a même pas besoin de mettre le truc. Par contre, celle-là. C'est là où il y avait le Wither, on avait fait un test avec avec 3 Wither en se disant ça va faire un maximum de dégâts et on aura beaucoup moins à terrasser. Mais en fait on s'est aperçu que à part à la caverne où il spawn, il fait pas beaucoup de dégâts la bestiole. En plus on en avait un qui s'était échappé, alors lui il avait fait 0 dégâts, à part nous tuer. Bon, et eh ben. Ouais, 3h15, il est 19h20. Ça va être l'heure d'aller doucettement. Aller manger son petit frishti. Ah, ça c'est. Ouais, ça c'est celui de.
C'est celui de l'empereur, c'est mon pont. Alors, il faudra que je regarde, parce que du coup, il devait certainement y avoir également un pont pour la famille royale, comme pour la porte, et puis un pont pour les ministres et les fonctionnaires. Et les deux ponts à l'extrémité, ça va être pour les autres personnes qui faisaient pas partie des groupes précédents. Et donc, qui prenaient déjà la petite porte ici, pour passer. Voilà. Pauvre Thio malheureux. Hop. J'allais dire je fais un plouf, mais alors pour remonter, c'est... En fait, non, on va pas faire de plouf. En plus, c'est une eau... C'est une rivière artificielle, donc qui est alimentée par les douves, qui sont à l'extérieur. Il n'y a quasiment pas de courant. Bon, il n'y a pas de pollution non plus, puisque... Ça doit pas servir d'égout, je pense. Bon. Mais bon, ça doit être glauque un peu. Les moustiques en été, voilà. Oh, peut-être pas forcément des... Ah oui, si, eau stagnante égale moustique, ouais. Ouais. Bon, en tout cas, si tu veux finir en haut de la porte du midi, on a une superbe vue. Ah ouais, ouais, je vais finir de là-haut. Exact, très bonne idée. Jusque... Hop. Je passe là. Ah ouais, c'est sympa. Hop. Ah ouais, valable. Et du coup, on le voit bien, l'arc. Oh, ouais. Ah, du coup, ça motive ça, tu te dis, ouais, vivement qu'on l'ait fini. Hein. Ouais. Là, t'imagines bien les pavillons en face et ça va être beau. Ouais, avec. Donc là, ici, la porte de l'harmonie suprême. La porte pour aller vers l'ouest. Une autre ici. Il y a deux petits pavillons à côté de la porte ici. Et tous un peu dans le style de la porte du midi. Donc ouais, des trucs assez sympas à construire. Hein. Voilà, il va falloir déjà que je fasse le timelapse d'au moins 15 minutes de tout le terrassement, du brûlis de la jungle. Oh, un petit fois 120, ça va le faire. Ah, alors on nous dit que les ponts secondaires, donc celui-là et celui-là, sont utilisés par la famille royale. Et les deux des extrémités par les fonctionnaires. Donc celui-là et celui-là. Ok. Et en fait, après le principe, c'était là pareil, parce que pour la porte ici, il y a trois séries d'escaliers, donc à chaque fois, il y a des protocoles très stricts. Hein. Ouais. Ils étaient... Ah oui, t'as créé les familles royales. Ouais, c'est pas grave. Bon, et ben là-dessus, on va se laisser. Encore plein d'heures devant nous. Et il y en a déjà plein derrière. À la fin, on publiera les stats des blocs minés et des blocs posés. Ça va être rigolo. Hein. Ouais. Carrie, il dit que c'est du médiéval, hein, à la limite, on est au 15e siècle, ça a été construit de 1406 à 1420, donc, mais c'est du médiéval chinois. Et puis ça change, parce que toujours de l'européen. Hein, Ouais, ça change, c'est pas mal, c'est un peu marrant, ça fait faire des recherches, ça fait apprendre le chinois. C'est marrant tout plein. Donc on va se laisser là-dessus, normalement, prochain live, donc je devais live samedi, le prochain live c'est lundi, c'est demain soir. Je maintiens, je vais essayer d'être strict sur les dates, sauf si j'ai des problèmes de co comme hier en fait, hein, où j'ai pas eu de co du tout. Donc demain soir on va essayer de liver. Et puis voilà, alors
Il faut que je trouve un sujet dans la journée, peut-être sur la suite de la Cité Interdite ou sur autre chose. On verra bien. Allez, là-dessus, je vous souhaite une bonne continuation et puis à la prochaine. Et merci, merci à mes modos, merci à mes viewers, et puis à bientôt. Allez, salut! Plus.